Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau live sur Saint Seiya, Légende de Justice, et c'est exceptionnel, hein, c'est de plus en plus rare. Mais on me le réclame de temps en temps, et je trouve un peu de motivation aujourd'hui pour proposer un peu de contenu dessus. Salut Raclette, salut Coyote. Ouais, désolé pour les petits problèmes éventuellement de réglage du micro, j'ai tendance à changer en ce moment l'optimisation du NVIDIA Broadcast sur le micro, et ça coupe peut-être un peu moins de son en ce moment avec le réglage que j'ai fait. Mais je reste systématiquement ouvert avant le live, c'est juste que là, vu qu'en même temps je faisais les envois de messages, etc. et tout, il y avait probablement le bruit du clavier, je suis désolé si c'était le cas. J'espère juste qu'il n'y avait pas le retour de la musique, parce que normalement c'est pas le cas. Mais avec les réglages en ce moment, je sais pas trop. Salut Raclette, salut Coyote, et salut Yoga. Et d'ailleurs on peut commencer par là. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des T2? J'ai pas regardé où on en était. Oh, 36, ah oui. Faut qu'on fasse des T2. Parce que moi j'ai pris mon vis-à-vis, ma cible. Ah, il y a quand même pas mal de gens qui ont pas attaqué. On va peut-être attendre un peu, non? Parce qu'il est que 6h30. Il est que ça, il est pas 6h30, justement, je veux dire. J'attaquerai. Faut tomber le moyen de tableau en T2. Ok, bah je verrai ce qui reste quand ceux qui ont leur cible auront attaqué, ça usera. J'irai rattraper en T2 ce qu'il faut. Mais je vais attendre au moins 6h30 que les gens aient le temps d'attaquer, quoi. Comme ça on garde des T1. Ouais, mais vu qu'on a attaqué des cibles et pas de manière consécutive, je vais peut-être au moins attendre que ceux qui ont leur cible attaquent. De toute façon, ça change rien, hein, puisque globalement, spoiler, on est qualifié en GSI depuis 3 jours. Hein. On a 9 points d'avance. Donc là, enfin, même si on jouait plus, on serait qualifié. Mais c'est bien de faire propre, effectivement, mais je vais attendre un petit peu que ceux qui ont leur cible attaquent et j'irai attaquer. Enfin, je verrai ce qu'il reste à attaquer. Parce que ouais, pour commencer, avant d'aller, parce que on fera un petit tour sur le reroll, mais on peut parler de ce qui se passe, l'actualité sur le jeu. C'est-à-dire que bon, l'actualité elle est simple, hein, on n'aura rien pendant 2 semaines parce que les devs sont en congé. On a eu une mise à jour avancée d'un jour. Tu joues à d'autres gacha que Senseiya et BCM? Salut Odd, ça va bien et toi? Enfin ça va bien, ça va mieux, hein, comme je disais. On se reforme la santé, c'est un peu long. En ce moment, comme gacha, je joue principalement à Senseiya et Black Clover Mobile, effectivement. Je joue à Monopoly Go. Est-ce qu'on peut appeler ça un gacha? J'en sais rien, mais je joue à Monopoly Go sur le téléphone. Des petites vacances sans détente. Ouais, ils sont partis et ils nous ont laissés sans nouveauté pendant 15 jours. Ils sont partis en vacances tranquilles, ils ont mis la mise à jour une journée avant. Sinon, j'ai testé. Comment ça s'appelle? One Punch Man World. Et bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai supprimé parce que bah, c'est un scam comme d'habitude avec A+. Et Crunchyroll, c'est dommage, c'est un jeu qui a du potentiel, mais il va fermer dans 3 semaines, hein, littéralement, puisqu'ils font comme d'habitude n'importe quoi. Ils font un très bon jeu, mais un très mauvais gacha. Donc j'ai abandonné. J'avais testé récemment pas mal de petits jeux qui sortaient au fur et à mesure, mais il n'y en a aucun où j'ai accroché, où je joue régulièrement. Celui que j'ai le plus joué récemment, mais ça commence à dater finalement un petit peu, c'est Final Fantasy Ever Crisis. Mais bon, il y avait trop de farm pour moi. J'avais testé Tsubasa Ace, c'est une catastrophe. Globalement, la plupart des gachas qui sortent actuellement ont un fort potentiel parce que c'est de très bons jeux, mais c'est de très mauvais gachas, quoi. Je vide ma stam sur les jumeaux pour tenter de les tomber une quatrième fois. Ouais, faut les retomber si vous voulez être dans le top 30, ouais. Mais nous, on était tout juste à court, c'était vraiment optimisé, hein, la stam. Il manquait pas beaucoup de stam. Enfin, il y avait juste la stam qu'il fallait, mais il en fallait pas moins, quoi. C'est toujours la même chose avec eux, un bon gameplay et voilà. Ouais, c'est ça, ils ont fait le même coup avec Street Fighter, ils ont fait le même coup avec MHA. Et ils font le même coup à chaque fois, c'est toujours le même principe. Un très très bon jeu, mais ils savent pas exploiter le côté gacha, ou alors ils veulent juste faire un jeu qui rapporte à très court terme, mais dans ce cas-là, c'est cohérent avec le résultat, quoi. On va dire, mais bon, dans tous les cas, c'est pas un jeu qu'on estime jouer pendant longtemps. Tu en penses quoi alors de Ikki? J'ai fait des tests aujourd'hui, je suis vraiment déçu à voir sur le long terme. Bah moi pour l'instant, Ikki, je trouve qu'il est extrêmement dur à tomber. Et quand on l'a pas en vis-à-vis, c'est un peu compliqué. Donc moi je trouve quand même Ikki très fort. Même si globalement je le trouve quand même un peu surcoté, je suis d'accord, mais il est assez indispensable dans la méta PVP à l'heure actuelle. Je pense qu'on est obligé de le jouer quand même. Il interagit bien avec d'autres persos. Je vais peut-être pas dire tout parce que la GSI arrive. Je suis pas déçu, je pense juste que les gens en attendaient trop. Mais il fait le taf qu'il est censé faire, quoi. Et il sera probablement intéressant même dans le futur avec d'autres persos qui arrivent. Donc, à voir s'il n'y a pas trop de contre avec EAC, Afro et tout par contre. Mais non, pas si déçu que ça, mais je m'attendais peut-être pas autant que d'autres, quoi.
Ils veulent juste Camimo. Ouais, je pense qu'ils veulent juste récupérer de l'argent et fermer le truc. Ils veulent pas. Ils mettent tous les frais du développement avant de sortir le jeu. Ils récupèrent l'argent et après ils y veulent plus rien, quoi. Donc c'est un modèle qui est court-termiste, qui est pas. C'est pas les seuls gachas hein, où ils le font, mais eux ils sont spécialistes, quoi. Il y a que Dissel Guild qui les ont tombés, mais chaud. Ouais, mais pour être sûr de finir dans le top 30, vu qu'il reste quand même encore un peu de temps, faudrait. Je pense qu'il va falloir le tomber une quatrième fois pour la plupart des guildes. Je pense qu'il y aura 30 guildes qui vont le retomber. Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il y a suffisamment de temps pour qu'il y ait 30 guilds qui le tombent. Donc, il y a un moment, il faudra le tomber si vous voulez rester dans le top 30. Ou sinon, ils sont très très cons. Ouais, c'est aussi une possibilité qu'ils soient très très cons et qu'ils n'ont aucune conscience de comment il faut développer un gacha. Ça, c'est possible aussi, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils sont court-termistes, quoi. Salut Ezrak. Et sinon, en ce moment, j'attends de voir, de tester un peu ceux qui vont sortir, mais globalement, à chaque nouvelle sortie, je suis déçu, quoi. Donc, pour l'instant, je reste sur BCM qui est très très bon. Et sur Sensia qui a des défauts mais qui me plaît toujours énormément quoi. Bon en même temps on a eu nerf au lieu de celui non nerf qu'ils ont eu sur la scène. Ouais bah il y a encore eu des modifications hein, pendant le. Enfin. Pendant mon. C'était avant, c'était pas pendant, mais il y a encore eu des modifications sur les reliques. Pour info, on partage ça quand même, mais voilà, on a gagné les reliques. Hop, là, on est encore premier. On a fait plus de 6 minutes d'avance, ce qui est plutôt pas mal. Je remercie d'ailleurs au passage encore Lunatic pour tout son taf hein, sur les reliques et à la présence de tout Vesperia qui a su répondre présente parce qu'il fallait être là tous ensemble pour arriver à tomber dans le bon timing et ne pas manquer de stam. Donc GG à tous ceux qui ont participé, on était je crois 36 sur 40 encore aujourd'hui. Ouais pareil, j'ai recommencé un compte au PTC, la mort de rire. Ouais alors ça m'arrive souvent de recommencer au PTC mais le problème de PTC c'est que bah à chaque fois que je relance, je raccroche et je me rappelle de comment on jouait. Et après, je découvre qu'il y a plein de nouveautés et que c'est trop complexe et c'est très difficile de re-rentrer dedans, quoi. Parce que j'y jouais au début et j'ai arrêté pendant un très long moment. Et à chaque fois, je relance et je fais, ah ouais, non, j'y arrive pas, quoi. Je pourrais retester avec l'anniversaire de relancer du Dokkan ou des choses comme ça aussi. Mais je trouve que sur les gachas récents, à part BCM, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, je trouve quand même. J'avais testé Tower of God, j'avais testé tout ce qui était sorti entre-temps, hein, mais sans accrocher, quoi. Il y a trop de trucs qui s'abusaient. Ouais, sur OPTC, il y a trop trop de trucs, j'arrive pas à m'y remettre. J'avais testé Dislight aussi. Fort potentiel, mais un modèle économique un peu moyen. Mais j'aimais bien le design et tout de Dislight. Il y avait des très bonnes idées, j'ai trouvé. Mais le problème, c'est que bah, ça n'a pas la force qu'a certaines licences pour moi. Et je suis pas arrivé à rester dessus. Mais Dislight, je trouve que c'est pas horrible. Pendant un moment, j'ai joué aussi à Infinite Magic Raid, mais j'ai arrêté récemment juste parce que j'ai fait une erreur avec un achat en boutique gratuite. Je me suis vraiment pris la tête pour rien. Salut Camper. Mais j'ai arrêté du coup. Pour ceux qui connaissent pas Infinite Magic Raid, c'est une sorte de Raid Shadow Legends. Dislight, du coup, je trouve. Ouais, Dislight, je l'avais trouvé très cool, mais juste, il n'y avait pas l'attrait de la licence et tout qui a fait que je suis pas resté dessus. Mais je pense que ça m'a fait l'expérience que j'en ai eue, j'en garde à mon souvenir, quoi. Et j'avais testé quoi? J'avais testé plein de trucs aussi en ce moment, des trucs un peu plus louches. J'ai même pas retenu les noms, qui étaient sympas, mais sans plus. Et donc j'attends de voir un peu ce qui va sortir, mais bon, pour l'instant, déjà BCM me prend quand même pas mal de temps. CNCIA, je suis toujours très actif dessus, même si je stream pas. Donc c'est ils ont le potentiel de même faire un anime Dislight. Oui, ils pourraient tout à fait. Ça leur ferait une grosse force, effectivement, d'avoir un peu ce genre de choses. Après, c'est difficile d'être concurrentiel. C'est difficile d'arriver à sortir un succès comme Genshin, de démarrer sans licence et de créer une licence finalement à partir du jeu. Je suis pas sûr que Dislight ait la force d'un Genshin, mais ça pourrait. Ouais, parce que le côté. Enfin, cross-média, cross-platform, multi-gaming, entre guillemets, avec d'autres versions dans le YoYoverse, etc. et tout, ça donne une vraie force à Genshin et son univers. Mais c'est difficile à reproduire. D'ailleurs, tu vas finir Shaka Araya la semaine prochaine? Jamais de la vie. Hein. Mon Shaka, il est toujours aussi miniature. Hein, parce que la deuxième fois, j'étais déjà pas allé le chercher, j'irai pas le chercher la troisième fois, c'est trop coûteux, et comme je dis, ouais, j'irais pas jusqu'à dire que je suis free to play, mais pas loin, quoi. En ce moment, donc. Mais MiYoYo sont en avance. Ouais, MiYoYo sont en avance parce qu'ils ont fait un gros taf pour faire un jeu vraiment à la hauteur des attentes et ils ont pu monnayer dessus, entre guillemets. Et ils avaient déjà des licences qui étaient très fortes en amont de la licence Honkai. Donc, ils avaient quand même de quoi faire, mais ils ont fait un gros switch pour arriver à en faire une licence finalement, quoi. Parce qu'on peut pas dire que maintenant Genshin n'est plus une licence.
Même si à la base c'était le cas, ils ont pris des bonnes idées partout, ils ont fait fonctionner le truc, quoi. GAE, parce qu'ils ont aussi changé un peu les attentes qu'on avait sur les gachas, ce qui arrange pas justement des trucs comme A+, Japan et compagnie, quoi. Ça c'est certain. Ouais, donc comme je disais, en ce moment, on a fini les reliques. Et donc Vesperia a vaincu devant Omega, Judeka, Hephaistos et Elysion. On a eu une saison à peu près clean. Il y avait encore des trucs qui ont changé, hein. Mais globalement, ça n'a pas changé pendant la période. Donc on a eu une saison, on va dire, un peu plus stable que d'habitude, ce qui faisait plaisir. Et on a réussi à être présent. Comme je disais aussi, la GSI va arriver. Par contre, la GSC, c'est un monstre en boss. Ouais, nous, on avait très peu d'Aiolia GC, je crois qu'on en avait deux. Mais à terme, effectivement, pour les reliques, si on veut rester premier, il va falloir plus d'Aiolia GC, parce que c'est très très marquant. On a vu la différence, je peux vous la montrer d'ailleurs, la différence avec ou sans Aiolia GC. Elle va être parlante. C'est la différence entre moi et Tenchi. Je peux vous l'illustrer, si le jeu veut bien. Voilà. Tenchi avec Aiolia GC a fait 1370 milliards. Sans Aiolia GC, j'ai fait 1097 milliards. Donc ça fait quand même une grosse diff. Hein. Et après, je suppose que Metal Rico, c'était lui qui avait le deuxième Aiolia. Je sais plus qui avait le deuxième Aiolia GC. Ça devait être Metal Rico pour se retrouver troisième probablement. Et après, voilà, comme je disais, on a été extrêmement, extrêmement, extrêmement présents. Des centaines de milliards de dégâts jusqu'au level 30 et 39 à participer. Bon, Flo Flash un peu plus discret avec 15 milliards, Ugoli 75. Mais après, tout le monde était présent. Je crois qu'il y avait 36 personnes qui étaient présentes sur le boss aujourd'hui. C'est bien lui? Ouais, merci Ezrak. Je me doutais parce que vu le résultat, comme je dis, c'est trop prégnant, donc c'était à peu près sûr que c'était lui. Mais voilà, moi sans Aiolia, j'ai quand même réussi à me défendre. Mais bon, par contre, j'ai pas pu me défendre par rapport à Tenchi, ça faisait trop d'écart parce que Tenchi il est déjà vénère, mais alors avec Aiolia, c'était irrécupérable pour moi. Mais j'ai fait ma part même sans Aiolia, mais il le faudra. C'est un des prochains personnages que je vais focus en roue stellaire et tout, et après je vais chercher des personnages qui sortent beaucoup plus tard, globalement. J'ai que 12 étoiles et il fait autant de dégâts qu'un CIAGC max sur les boss en relique. Ouais, déjà si je les récupère déjà 10, 11 ou 12 étoiles, de toute façon le temps qu'on ait les reliques ça a le temps de revenir. Et sur les boss pour l'instant j'en ai pas besoin parce que j'arrive à être premier quand même sans le personnage. Par contre pour les reliques ce sera important. Quatrième, en ayant raté le premier run sur les jumeaux, plutôt content aussi. Ah, GG Ezrak, ouais. Très beau score. Il y a beaucoup de monde, hein. Vesp Knight. Je laisserai deviner qui est cette personne. C'est du monde. Wiz qui a fait 857. Marius, Ryu. Voilà, tous ceux du haut de tableau, c'est ceux qui étaient prioritaires, on va dire, sur les temples, etc. Et tout, qui ont fait le taf. Kalsi qui a fait un jeu de 683 millions aussi. Hier. Greuil, tout ça, enfin, tout le monde était présent, il y a beaucoup de monde à 600 milliards. Et voilà, après, c'est même jusqu'au top 30, 32. Voilà, jusqu'au top 32, ça a été extra actif. Et même des gens qui étaient là un peu moins souvent, ou même qui ont été un peu absents, je crois que Danae était malade et tout sur la période, a fait quand même 255 milliards. Hein, donc GG à tous parce qu'il a fait actuellement à contribuer. Et spécial dédicace à Lunatic qui fait le gros de la gestion des troupes. Mais comme on a dit, hein, de toute façon, et comme on l'a constaté déjà la fois précédente, c'est le nombre qui compte maintenant plus que, enfin, au-delà de la bonne gestion, parce qu'il faut quand même une bonne gestion, évidemment. Mais le nombre compte excessivement, et ça a fait la diff. On a vu d'ailleurs qu'on a repris énormément de temps sur la dernière journée. Donc sur la dernière journée, en plus du nombre, l'organisation propre a fait la différence, parce que ça veut dire qu'on était notamment très très bien organisé sur la gestion de la stamina. Et du coup, je sais plus où est le classement. Voilà, du coup, on a repris plusieurs minutes aujourd'hui d'avance sur Omega. Judeka qui s'est rapproché d'Omega et Phaistos qui a fait un bon retour. Bon, ça suffira pas parce qu'il n'y aura pas d'autres sessions. Comme on disait, pour l'instant, il y a 17 guildes qui ont passé la quatrième étape. Je pense que pour garantir le top 30, on aurait quand même mieux terminé pour tout le monde. J'espère que Equinox terminera bien pour être sûr d'être dans le top 30. Parce qu'il y a encore des guildes, je pense, qui ont le potentiel de terminer une quatrième fois. Avant que ça se bloque dans... enfin, demain 13h, quoi. Je sais pas dans combien de temps il reste, mais demain 13h, quoi. Bon, en gros, quoi. Je viens de voir ma guilde. Je viens de voir ta guilde, Dodd. Oui, si t'es pas loin du classement et que t'as quasiment fini et que t'es en train de taper, oui, tu dois pas être très loin. Top 22, vous êtes? GG. Oui, il vous reste 19h pour le tomber, va falloir taper cette nuit hein, si vous n'êtes pas prêt. Vous avez pris 5 places, vous êtes top 10. Attends. Capsouillon. Ah t'es, oui, c'est vrai que oui, t'as changé, parce que j'allais dire, mais non, t'es pas chez Capsouillon, mais si, oui, t'es chez Capsouillon maintenant, oui, pardon.
Vous avez récupéré 5 places aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, la gestion de la stamina, je pense, ça fait beaucoup de différence pour beaucoup de guildes. Le fait qu'on ait vraiment optimisé pour pas perdre de temps et qu'on a pu tous tomber le boss avant de manquer de stamina, ça fait la diff. Et du coup, on se doute qu'il y a des guildes derrière nous qui, du coup, n'auront pas assez de stamina. Sinon, on était juste tout pile, entre guillemets, c'était vraiment très très opti. Hein. Moi, j'ai fait le dernier combat, je l'ai fait avec pas les personnages principaux, d'ailleurs. Mais j'aurais pu faire autrement, mais c'était pour gagner un peu de temps. Et j'ai plus de stam par contre. Ouais, c'est ce que je dis, la gestion de la stam pour le quatrième try, elle est importante. C'est pour ça que je dis, si vous pouvez pas retomber le boss une quatrième fois, vous risquez de vous faire dépasser par des gens qui sont peut-être derrière, mais qui eux auront un peu mieux géré la stam. Et c'est pour ça que les 19h là qui restent, vu que la stam remonte pas, bah, il faut espérer qu'il y ait d'autres personnes dans votre guild qui eux aient gardé de la stam. Par contre, si plus personne n'a de stam, bah du coup c'est perdu quoi. Mais je crains qu'il y ait des guildes qui n'aient pas encore commencé à taper le boss, qui eux ont peut-être mieux géré la stam et qui peuvent du coup vous passer devant. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux terminer une quatrième fois pour tout le monde si vous voulez être dans le top 30. Parce qu'il y a encore beaucoup de guildes qui vont pouvoir le terminer. Hein. Il y avait finalement presque moins de personnes dispo en milieu de journée que dans la nuit, mais on a réussi à finir 4 fois quand même. Ouais, l'important c'était de finir 4 fois, puisque globalement, sauf si vous jouiez comme nous la première place, et ça concerne pas forcément grand monde qui vise la première place, mais que vous visiez le top 30, il valait mieux assurer de le terminer une quatrième fois plutôt que d'essayer de faire le rush, quoi. Donc même si vous le finissez au milieu de la nuit, entre guillemets, parce que vous pouvez jouer que ce soir ou quoi, et que tout le monde n'était pas dispo à 13h, vaut mieux juste le terminer déjà. Parce que vous aurez pas, entre guillemets, ni plus ni moins de récompense, du moment que vous finissez top 30, vous récupérerez tout, quoi. Attendez, je regarde ce que je vois qu'on a. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Je répondrai après. Qu'est-ce que j'étais en train de dire d'autre? Ouais, donc je pense qu'il faudra quand même terminer. Et comme je dis à Yulia, ouais, Yulia a fait quand même une grosse différence, on l'a vu. Donc il sera nécessaire pour optimiser les prochaines saisons. Sans surprise, mais comme je disais, côté même si j'ai pas Yolia, côté boss pour l'instant, j'ai pas vraiment de concurrence encore, donc c'est pas très pressé pour moi. Il y a l'arène mondiale aussi qui est ouverte. Je suis premier actuellement. Personne m'a attaqué de la journée, je suis boss puisque j'étais premier genre hier à minuit quoi. Donc ça, ouais, personne m'a attaqué. Donc l'arène mondiale est réouverte. Il n'y a pas l'air d'avoir de changement. Hein. Salut Clad. Alors Clad, on fait du Senseiya aujourd'hui. Hein. Je sais pas si. Parce que je sais que tu es habitué de BCM, je sais pas si tu connais Loge. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, du coup, l'arène mondiale qui a réouverte sans changement. Premier jour, on finit premier. Et du coup, dans 14 jours, on reviendra pour se battre. Ouais, tu connais. Tac, tac, tac. Parce que bon, j'en profite pour faire un petit tour de mon compte. Le tournoi des sanctuaires qui est réouvert, mais ça fait déjà plusieurs saisons que je le fais plus parce que ça m'ennuie. tac tac tac, qu'est-ce que j'avais à vous dire sur ce compte là? Oui, il y a le royaume aussi, ouais, sonore qu'on fera sûrement, mais quand on aura tout réouvert, parce que la flemme de le faire en plusieurs fois. La tour scellée revient dans 6 jours, on essaiera de la rush une nouvelle fois aussi peut-être. Donc peut-être la semaine prochaine, on refera un live éventuellement pour parler de la GSI et faire ce genre de petites choses. Et la semaine suivante, on essaiera de voir, Odd avait été intéressé par une review, donc peut-être pas la semaine prochaine du coup pendant la GSI, mais la semaine qui suit, on aura une journée loge aussi avec la revue de Odd, si on arrive à se caler un créneau. Donc comme je disais, hein, je voudrais faire comme ça au moins une fois par semaine du loge, mais bon, on n'est pas gâté. Et là, vu que les devs sont partis en vacances, il ne va pas y avoir trop de nouveautés. Mais pour ce soir, ça permettait de faire un peu le point sur l'avancée de la guilde et du compte. Et on va passer après sur le reroll pour faire quelques petites invocations et tout. Voir où on est le reroll et essayer de le faire avancer un petit peu lui aussi. Ça faisait quand même suffisamment de contenu pour ce soir, c'était ok. Golden Week oblige, oui c'est ça, c'est le nouvel an chinois, donc ils sont en vacances 2 semaines, c'est pour ça qu'on a eu une mise à jour anticipée d'une journée, qu'on nous a donné un code qui du coup n'est pas valide parce qu'ils ont oublié de l'appliquer sur la version Glow, enfin bon, voilà quoi, c'est des devs de Senseiya quoi. Déjà que quand ils sont pas en vacances c'est compliqué, alors quand ils partent en vacances on se doute qu'on va pas être surpris du résultat. Mais bon, c'est pas très grave. Attendez, je réfléchissais s'il y avait autre chose que je voulais parler sur le compte. Et du coup, sur le compte, oui, j'ai, comme je disais la semaine dernière, je voulais montrer le hub de Ikki, on l'a terminé. Il est prêt, il sera ready juste à temps pour la GSI. Et comme je disais, la GSI, on est qualifié parce qu'on est qualifié déjà plusieurs jours, on a énormément de points d'avance. Mais la GSI, de notre côté, sur le 1-20, on ne sait pas encore trop qui va y aller. En tout cas, pour ceux qui pensaient qu'avec le nouvel an chinois, on aurait des grosses matchs, bah non.
Ouais, c'est décevant parce que entre l'anniversaire de la chinoise plus le nom des gens chinois, je supposais aussi qu'ils auraient pu être un peu généreux. Malheureusement, pas du tout. Le seul nouveauté qu'on a eu qui a signalé qui n'a même pas été prévenu, c'est la nouvelle variante de l'illusion du vide. Bon, c'est à peu près la même chose avec plus de niveaux et avec moins de possibilités de faire des tries par jour. Ce qui est pas inintéressant. Moi, j'ai fait le plus premier jour et puis j'ai pas retry derrière. J'ai fini 6 ou 7ème, je crois. Et j'ai juste fait juste une première run tout droit. Après, bon, de toute façon, les jours d'après, j'étais malade et tout, c'était plus possible. Et 50 amis, c'est cool. Ouais, 50 amis. Mais pourquoi on a eu 50 amis? Ça, je voulais en parler aussi la semaine dernière, mais du coup, j'étais pas là. C'est parce qu'en fait, la Jap est sortie le 18 janvier. Et elle est sortie directement avec 50 amis. Donc bon, c'était un petit peu con qu'on soit la seule version qui n'avait pas 50 amis, donc ils nous ont rajouté. C'est déjà au moins ça, quoi. Sinon, un avis sur le prochain portail Dark and Light. Alors le prochain portail Dark and Light pour moi c'est Shun Hades, puisqu'on aurait comme ça Shun Hades sur notre version en même temps que pour l'anniversaire il y a Hades tout court, puisque comme prévu j'avais encore bien prédit, j'avais prévu Hades à l'anniversaire, un truc craqué, ce sera le cas sur la chinoise. Donc nous on l'aura pour le mois de juillet, hein, je suppose, Hades tout court. Ça serait logique qu'on ait Shun Hades en parallèle en même temps pour créer la hype entre guillemets entre les versions avec les deux versions d'Hades, ça aurait du sens. Ça fait un petit moment qu'on l'attend, le timing serait bon, donc je pense Hades, et après je crois qu'on aura fini le cycle en dehors des Next Dimensions. Donc je suppose qu'après on lancera les Next Dimensions après Shun Hades, et donc qu'on aura Sukiyo en flèche juste après quoi. C'est voilà, c'est ça ma prédit, mais on l'aura du coup pas avant 2 semaines, parce que là on va se taper 2 semaines de chacun pendant que les devs sont pas là. Et si c'est Shun Hades, je passe mon Ayuya GC14. Oh, moi je vais aller chercher Ayuya GC sur les deux prochains portails, dans tous les cas, que ce soit Shun Hades ou n'importe quoi. Ce sera sûrement Shun Hades into EAC, je suppose, j'aurais tendance à penser. Je peux me tromper, hein, mais je pense que ça va être ça, Shun Hades into EAC. Ou alors on pourrait avoir Shun Hades into Doko. Parce qu'on a eu Ayuya GC, on pourrait avoir un Dark into un Light. Donc peut-être plutôt Shun Hades into Doko. Mais dans les deux cas, j'irai chercher Ayuya GC sur les deux portails, pour ma part. N'oubliez pas EAC aussi. Ouais, c'est ce que je disais, ouais, EAC. Mais Shun Hades into EAC, ça fait deux Dark, donc je verrais peut-être plutôt Shun Hades into Doko into EAC. Et parce que je pense à EAC, mais EAC, ça fait deux Dark de suite, donc peut-être plutôt Doko entre-temps. L'un ou l'autre, on verra le sens, mais en tout cas, c'est les trois personnages qui vont sortir. Je sais pas dans quel ordre, ce sera probablement ça, quoi. Shun Hades, Doko, EAC, ou Shun Hades et EAC, Doko, je pense. Mais dans tous les cas, moi, j'ai cherché à GC. Si jamais tu veux reprendre au PTC, c'est un bon moment en ce moment. Ouais, de toute façon, globalement, j'ai l'impression que au PTC, c'est un peu tout le temps de bon moment. Il y a toujours des portails un peu craqués, quoi. Mais là, je sais pas si j'ai le temps de retenter un gacha comme ça. Mais pourquoi pas, des fois, je lance comme ça, juste parce que ça me prend. Genre, je m'ennuie 1 heure et je le lance, hein, donc. Comme je disais, par contre, la GSI, elle est relativement ouverte. Alors, pas de notre côté, puisque, comme je disais, de toute façon, on a 1 milliard de points d'avance. Il y a encore les portails du Nouvel An, c'est pour ça. Encore? Putain, c'est. Ah oui, mais tu vas me dire, ils vont du Nouvel An jusqu'au Nouvel An chinois, côté OPTC, parce qu'on est quand même le 8 février. Je sais que le temps passe vite, mais quand même. De ce côté, bon, c'est encore ouvert hein, pour les places 2 et 3. Par contre, côté Canadès, c'est beaucoup plus tendu. Ça va beaucoup dépendre du goal average. Là, aujourd'hui, on rencontrait Hellsgate, donc Hellsgate va repartir au niveau d'Héphaïstos, normalement, aujourd'hui. Mais Héphaïstos 2 aura peut-être gagné aussi. Equinox et Gold Sands ont leur chance également. Il reste encore 2 journées, si j'ai pas de bêtises. Donc de ce côté, on ne sait pas encore trop qui va passer. Globalement, c'était assez déséquilibré hein, sur cette saison. On était un peu solo de notre côté, là où de l'autre côté, il y avait beaucoup plus de candidats potentiels à la GSI qui du coup s'affrontaient et forcément, il y aura des déçus. Notamment dû à, je sais pas si c'est une problématique ou quoi, mais la fusion des Phaistos avec la moitié de la planète, globalement. Je sais même plus qui c'est qui attend les Phaistos maintenant, tellement il doit y avoir Pandora. Les musclés ou je ne sais quoi, enfin je sais plus qui est dedans, mais globalement il y a Clitoland là, qui fait que du coup ben là ils sont tous retrouvés du même côté, du coup ils se battent entre eux, ils vont s'entretuer, je sais pas qui va passer. D'un autre côté on avait Capsouillon, je pense qui est dans les favoris avec nous, peut-être Nilfheim, on verra qui passe, mais c'était beaucoup plus déséquilibré de ce côté, ce qui fait que le goal average va risque de compter côté Hades quoi. Donc on verra ce que ça donne, mais UEFA 2, on sera à 60-0 ou pas loin aujourd'hui. Ezra qui rigole, parce que je sais pas si tout le monde aura percuté à ce que je viens de dire, parce que je sais pas si tout le monde suit les trucs, mais bref. Une petite vanne comme ça, c'était un peu gratuit, mais bon.
Ouais, FA2, si vous faites 60-0 aujourd'hui, par exemple, vous allez être en concurrence directe avec FA1, quoi. Sachant que, on sait pas, mais pour l'instant, nous, on pourrait retomber aussi sur des gens du haut du classement et faire que bah, ça crée une bascule. À noter qu'on a rencontré déjà nos partenaires Equinox et Goldsent, et bon, on va pas se cacher qu'on l'a joué réglo, hein. On leur a mis. On leur a tout mis, hein. On a mis 60-0 à Saint et on a mis 69 à Equinox, hein, donc voilà, soyez tranquilles, il n'y a pas de triche ou d'arrangement même avec nos guildes alliés. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera à faire le classement. On ne sera pas intervenu de manière illicite. Par contre, il y a quand même de grandes chances qu'on rejoue quelqu'un qu'on a déjà joué, vu que tout le haut de tableau on l'a déjà joué, quoi. Donc c'est possible que ça crée des déceptions. Je l'ai pas vu venir, mort de rire, mais oui, compliqué le matchmaking, car ça veut dire des guildes comme Eki ou FA2 out de la GC. Ouais, c'est ce que je disais. C'est au début de la GC, j'avais pas remarqué cet agencement, et on l'a vu du coup dans la semaine quand nous on s'est retrouvé à plus 9. Que de l'autre côté, par contre, il y a des guildes potentielles qui ont le potentiel totalement de GC qui risquent de pas s'y retrouver parce qu'il y a trop de monde là. Il y a que 3 places pour genre au moins 5 guildes totalement viables, même Inferno je pense que c'est potentiel GSI, 300 pourquoi pas, enfin je veux dire il y a full GSI land là, qui il y en a qui vont perdre leur place quoi, alors qu'ils ont le enfin ils ont le potentiel, ils ont le niveau même au-delà du potentiel, il y en a qui l'ont déjà fait et qui participeront pas quoi. Ça fera des heureux ailleurs au moins. Ouais, de notre côté par contre c'est du coup vachement plus sympa pour des gens qui ont moins l'habitude de venir en GSI, il y a la place est ouverte quoi. Et ils sont encore très nombreux du coup de ce côté à eux se battre pour la deuxième et troisième place. Et là entre guillemets ça sera probablement une guilde qui n'a jamais fait la GSI qui sera qualifiée avec nous. Donc Cap Souillon je pense que c'est leur plus grande option pour s'y rendre probablement de la configuration qu'on a là. Là où souvent ils étaient un petit peu juste alors qu'ils ont un gros potentiel. Là je pense que pour moi c'est censé être les favoris pour prendre la 2-3ème place. Par contre entre FA3, Nilfheim, Santuario et compagnie là ça va se jouer pas grand chose et probablement au résultat d'aujourd'hui et demain. Là où par contre là on va forcément perdre de l'autre côté. Par contre des gens qui eux d'habitude y vont et donc c'est un peu plus frustrant. Donc mais bon il y a forcément quelqu'un qui va tomber au combat là-dedans. Je sais pas qui encore. J'espère que Equinox notamment va passer. Goldsense c'est peut-être un peu plus juste pour eux d'aller en GSI. Donc c'est moins frustrant mais ça m'embêterait qu'Equinox y aille pas après y avoir enchaîné 2 GSI consécutives si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça veut pas dire qu'ils méritent plus que FA2, FA1 ou Wellsgate, qui ont totalement leur place également, et même Inferno Gate ou les 300, quoi, donc... Et on pourra pas mettre tout le monde, quoi. Sauf s'ils ont encore changé la règle de qualification à GSI, qu'ils l'ont étendue, mais bon, ça, comme d'habitude, on ne saura que dimanche, quand on recevra la lettre pour plus là. Voilà, pour ça... Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Bon, en ce moment on a juste les events de base, hein, donc bon rien de spectaculaire. Donc je pense qu'on va passer sur le reroll, et si je pense à autre chose on reviendra sur là-dessus quand même. Et on va passer sur le reroll, on va voir où il en est, et on va faire un peu d'invocation, parce que je crois que j'ai plein de trucs dessus, puisque en ce moment je fais les cotis, mais pas grand chose de plus sur le reroll, parce que le temps me manque. Le temps me manque. Alors, hop, déjà, je crois que j'ai même pas fait les cotis aujourd'hui. Parce que justement, je me suis dit, autant garder un petit peu de trucs à présenter en live sur cette partie-là. Alors, comment on disait, voilà, les amis, pas jusqu'à 50, n'hésitez pas. Ici, on va prendre tout ça. On doit avoir plein de trucs à invoquer hein, sur ce compte. Je sais pas exactement quoi, on va découvrir, on va essayer d'améliorer un peu la team, tout ça. On va faire les... Tout ce qui est coti, on va faire, je sais pas ce qu'on essaiera de faire, peut-être d'avancer un petit peu dans la story, on va voir ce qu'on va faire sur le reroll. Non, d'ailleurs, on peut aller voir si Elysion se qualifie en GSI. Ça m'étonnerait que ce soit pas le cas, mais. J'ai un peu moins suivi que d'habitude, je vois en ce moment, là, parce que j'avais beaucoup de travail, plus la maladie, plus les autres jeux, plus juste trop de trucs, quoi. Hop. Qu'est-ce qu'on y fout? Je commence à stocker tout et n'importe quoi là-dedans. Faudrait qu'on fasse le tri un moment. Bon, j'irai chercher ça plus tard. Je vais pas vous embêter avec ça pour le moment. Entre où ils en sont là. On va faire ça au passage par contre.
Hop, ça avancera les quêtes côtières. Qu'on repasse, je repasserai peut-être aussi d'ici une demi-heure sur le compte principal pour s'il faut faire une T2. Oh, ils ont un match. Ah oui, Spartiate, c'est lourd aussi. Oh, ils ont un gros match aujourd'hui. Ils en sont où? Ouais, ils sont. Bon, ils sont chill. Ils ont 6 points d'avance, ils sont déjà qualifiés. Polaris Omega Soul. Ouais, ça a l'air d'être du classique hein, sur cette tranche-là. Spartiate First Rebirth. Shun 2000. J'ai l'impression que par contre, sur. Sur cette tranche, on aura les habitués en GSI. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de surprises. Xav qui a combien de milliards? De milliards? 62,5. Putain, quel fou. Quel fou ce Xav quand même. C'est sur la tranche de serveur où on est, c'est spectaculaire quand même. GG, il joue quoi d'ailleurs? Je vais même pas regarder. Ça joue pas du tout comme chez nous. Hein. Oh la vache, ah oui, c'est. Ah, c'est pas la même méta sur la tranche sans plus. Hein. D'ailleurs, on pourrait aussi regarder. Ouais, attendez. On va regarder sur la tranche 20, là, qui se qualifie. Après, on reviendra là. On va passer sur Lupus. Alors, ça doit faire 600 ans que je suis pas allé sur Lupus, mais. Si j'ai une guilde encore, on pourra peut-être voir le. Qui se qualifie, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi. On s'en fout de récupérer les trucs. Mais personne peut l'attaquer sur cette tranche, j'imagine, non? Ah ouais, c'est impossible. Sur la tranche où il est Xav. Déjà que sur même notre tranche à nous, il serait déjà très peu challengé, mais alors sur la tranche où il est, c'est vraiment le deuxième et à des années-lumière. Il n'y a pas de. Il n'y a pas photo, c'est un autre monde. Enfin, genre, c'est comme si chez nous, il y avait personne qui avait plus de 30 millions de power, je pense, à côté, quoi. Enfin, c'est. Bon, je suis sûr, mes derniers try, il reste 20%. Ouais, hésite pas surtout à encourager tes coéquipiers, hein, parce que tu arriveras pas tout seul à faire tomber 20%, même si tu mets du tien. Côté 20, qu'est-ce qu'on a? On a Elysion, classique, Rosorion, qu'on voit souvent, jouer des 4-2. Omega, ça doit être la petite Omega, qui peut-être peut se requalifier, mais c'est un peu juste. Et de ce côté, Omega Judeka qui sont au même nombre de points, fils absolu du classique. J'ai l'impression que c'est assez mieux, c'est bien réparti côté tranche 20. Donc j'ai l'impression que les surprises pour la GSI, ça sera surtout sur la tranche 1 à 20 à cause de la répartition. Sinon, sur les autres tranches, j'ai l'impression qu'on va avoir les habitués. Mais bon, on verra ça dimanche. Avec 3 persos, c'est un peu compliqué. Et puis là, surtout que tu récupères pas de stam ni rien. Donc, épuise pas parce que, tu peux toujours gratter. Hein, mais surtout, il faudra que tes coéquipiers jouent hein, parce que. T'auras beau y mettre tes dernières forces, ça va pas. Ça prend pas le taf. Hein. D'ailleurs, moi j'étais dans une. Sur le reroll, j'étais sur une guilde. Enfin, un truc d'agrégat de joueurs, là. Je sais même pas où ils en sont. Je dois avouer que j'ai pas trop suivi. Ils ont avancé quand même? Ouais, ils ont avancé. Oh! Bah, ils ont traversé jusqu'au bout. Je sais pas s'ils ont déjà tombé une fois le boss. Mais... 98%, oui, bon, a priori non. On donne tout. Ah, faut tout donner, par contre, oui, de toute façon. Il faut tout donner. Attendez, on va finir les quêtes quotidiennes et après on ira voir ce qu'on peut invoquer. Ouais, alors par contre, sur l'émulateur, je sais pas ce qu'on va avoir comme perso là qui vont être proposés, mais. Non, on va faire une petite quête là aussi. Yoga Pog, le survivant. Ouais, enfin, Yoga Pog, il survit, il fait survivre, mais c'est pas lui qui va faire des dégâts aux jumeaux. Enfin, voilà quoi. Mais t'as vraiment plus de stam? Parce que, enfin, après, oui, tu vas me dire, ça dépend combien t'as eu besoin de stam sur les runs 1, 2, 3, parce que, pour le coup, moi, j'étais léger en stam, mais en stam sur ma team principale. Sinon, à côté, j'avais 30 personnages à 1000... Enfin, on peut regarder, mais... Je suis désolé, on fait des allers-retours entre les différents comptes. Mais parce que par contre, au niveau stam, en dehors de ma team principale, je devais être à 1 milliard, hein, pour le coup. Alors, regardez, c'est... à part les persos que j'ai joués, on est à 1800, 800, 700, 800, 1038. Il ne peut même pas attaquer avec Poséidon. Il me reste 300 de stam sur Seiya, Seiji et Moses. J'ai vidé tout le reste. Ah oui, ça va être compliqué pour le coup, quoi. Parce que voilà, moi je pouvais. Voilà quoi. Du coup, j'ai même pas mis le dernier personnage, quoi. Mais.
Et j'ai rejoint ma team. J'ai rejoint ma team. Voilà, j'avais de quoi encore taper. Après, je sais pas à quelle vitesse on aurait tombé le boss. Si on avait dû le tomber une cinquième fois. Voilà, il n'y a plus le temps pour le faire, mais. Mais ça aurait été plus long, mais je pense qu'on avait largement assez de stam. Alors pour tomber sur le long terme, mais pas en direct, mais. Contre la stamina pour le tomber très vite, du coup, elle était vraiment, vraiment très, très opti, quoi. Je comprends qu'il y a des guildes qui aient plus de stam, quoi. Non, attends, c'est pas ça que je veux faire, c'est ici. Attendez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais vite faire les quêtes Coty, puis après on ira ouvrir tout ce qui traîne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Another Dimension. Comme ça, j'aurais fait mes quêtes quotidiennes pour ne pas. Pour assurer pour la guilde. On s'en fout, hein, si on perd, c'est juste. Histoire de valider. Hop. On va aller voir un peu ce qu'on peut invoquer. Là, on récupère ça. C'est quoi qui clignote? Ah oui, on s'en fout. Et toi, ça fait plus de 3 heures qu'on est sur ce boss de malheur? Bah nous, je sais pas la première fois combien de temps on a mis, mais ça a été un petit peu long quand même les premières fois. On a mis genre plus de 10 minutes, je pense, la première fois. Et là aujourd'hui, je sais pas combien de temps on a mis, mais c'était quelques minutes, mais enfin, ça se fait plus maintenant en quelques secondes comme ça pouvait être le cas sur les premières versions, quoi. Et je trouvais que l'équilibre du boss était plutôt bien fait là, vu qu'on a fini juste au niveau stam à ce qu'il fallait avec la team principale. J'ai trouvé que l'équilibre était plutôt ok tier cette fois-ci. Hein. Là où ça avait été la première fois c'est trop simple et la deuxième fois ça n'avait aucun sens, les difficultés ça bloquait beaucoup trop de guildes. Là ça s'est battu et on voit qu'il y a quand même pas mal de guildes qui ont pu s'investir et terminer. Et c'était un peu plus fair que les exercices précédents, puisque les exercices précédents à chaque fois on avait des modifications. Des combats et tout pendant la période, là au moins on a eu des modifications par rapport aux saisons précédentes, mais on n'a pas eu de modification pendant la saison. Donc je pense que le classement a plus de sens et est plus fair cette fois-ci. Et on retrouve un peu les guides de classique, hein, on va pas se. Il n'y a pas vraiment de surprise. Je sais pas si d'autres personnes ont terminé depuis. J'espère qu'Equinox vous allez y arriver. Je sais pas s'il y a des gens d'Equinox sur le live. Mais n'hésitez pas à taper et essayer de valider votre. Alors par contre la récompense est dégueulasse, mais essayez de la valider quand même. Ah tiens, je pourrais calmer des trucs. Je m'en suis pas trop occupé, j'ai même pas fait. Enfin bref. Qu'est-ce que je vais vouloir regarder? Oui, les récompenses. C'est où les récompenses? Voilà. Bon, c'est pas fou. C'est pas le plus beau des cadres, mais bon, c'est toujours bien de le valider pour la collecte, quoi. Il y a ça à récupérer aussi. Qui sera intéressant. Ça serait incroyable que Equinox y arrive pas. Bah déjà la dernière fois ça a été un peu compliqué à cause de la difficulté, là j'ose espérer qu'ils arrivent à valider. Bah ça m'étonne, enfin je serais étonné qu'ils y arrivent pas, mais je sais pas, j'ai pas trop suivi effectivement leur perf sur les. Normalement ils ont les clés en main, mais bon. Bah tiens, on vient de passer à 18%. Bah voilà, tu vois, ça tombe. Et si les gens sortent du travail ou quoi que ce soit et sont dispo, ils commenceront à tomber chacun un ou deux petits pourcents et ça va aller vite après. J'avais calculé sur la saison où c'était difficile qu'il fallait qu'on tombe en gros 2,5 par 100 par personne, c'était jouable même en vidant tout ce qu'on avait de côté, même sans être petit. Là il n'y en a pas besoin du coup, mais. Qu'est-ce qu'on invoque? J'ai envie d'invoquer sur les terres de l'avènement. On a quoi? On a 2000 ça à invoquer là, ça va prendre un siècle. On va commencer par 227, là ça va plus vite. On a 1 milliard de trucs à invoquer, je crois, à droite à gauche. Hop. Ça fait un siècle que je ne me suis pas occupé de ce qui traînait sur le compte reroll. Ça se voit. Attention, là on en a 2069. Ça en fait 41. 41 multi. Attendez, regardez, on en ajoute un peu. Hop là. Ah, comme ça fait 42 multi. C'est parti, je vais passer, hein, parce que sinon ça va être long. Parce que si on regarde l'animation n'est pas rendue. À noter que sur le compte principal, j'ai quasiment terminé
les noms légendaires là au niveau 30. Donc comme prévu, ne pas cache là-dessus quoi. Ça monte tout seul avec le temps. Bon, ça fait quelques mois maintenant que c'est sorti, mais donc comme prévu et comme signalé, c'est totalement free to play friendly. Il faut juste patienter comme tout le monde quoi. Et là vous voyez que sur le compte le reroll. Le reroll free to play. On a récupéré énormément de ressources. Je sais pas combien de semaines ça représente, parce que ça fait peut-être plusieurs semaines que j'ai pas touché à ça sur le compte reroll, hein, c'est possible. Je sais pas en combien de temps j'ai accumulé les 2000, mais ça fait pas non plus si longtemps que ça que j'ai laissé tourner ça. Là, ça en fait quand même des clics là. T'en es même pas la moitié là. Et d'ailleurs, vu que j'ai pas spécialement cash, même quasiment pas sur le compte principal sur ça, je suppose que sur ce compte-là, même si je suis un peu moins assidu, je vais peut-être pas non plus être si loin d'atteindre les levels, je sais pas, 25-30 là aussi. Alors je suis pas aussi assidu et je fais moins de prières aussi sur le compte reroll forcément. J'ai moins de diamants, ce qui a du sens. Et la question que je me pose par contre sur ce truc là, c'est qu'est-ce qu'on fait des doublons, parce que là maintenant je commence à accumuler des pièces qui sont inutilisables, puisque le jeu ne se bloque pas et te propose quand même les pièces même quand t'as maxé niveau 30 les trucs. Tu peux pas les vendre ni rien, donc c'est pareil, je sais pas s'ils ont prévu un système d'échange ou quoi, parce que c'est un petit peu con. Parce que sur les cartes paria par exemple, tu vois que vous avez assez de doublons, bah ça vous en donne plus. Là par contre sur les vestiges, ça vous donne encore des ressources alors qu'on pouvait rien en faire, et ça c'est un peu curieux. Et donc je sais pas ce qu'on va en foutre des doublons. Et surtout que normalement il doit y avoir des nouveaux vestiges, donc au bout d'un moment on va avoir les doublons et tout dans les nouveaux vestiges. Et bienvenue à toi Playyou. Merci pour le follow, bienvenue à toi Playyou. Installe-toi. C'est 10 pièces violettes pour une dorée je crois. Ah t'as des taux de conversion comme ça? Parce que si c'est le cas c'est plutôt pas mal pour le coup. Ça serait une bonne chose effectivement s'il y a ça, parce que sinon je sais pas trop ce qu'on va en foutre quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a récupéré? On va équilibrer un petit peu de toute façon, on s'en fout. Sur cela, on va de toute façon pas aller très loin, c'est normal. Prendre ça, tac, tac, tac. On prend 3 levels, c'est pas mal. Ici, vas-y au pif, ça. Hop. On a des travails qu'avec Moses pour gratter des dégâts. Tu grattes vraiment. De toute façon, après, tu peux plus, ouais, t'as plus de stam, donc tu peux tout. Tu peux effectivement tout écluser sans te sentir coupable. Ah mince, dommage, là, il manque 1. Ah, c'est con, il manque 1. On est quasiment à 26 ici, c'est pas mal. Donc normalement si vous avez été très assidu, vous devez quasiment avoir fini vous aussi de votre côté les reliques de base. Au moins à 25. Donc ça va, c'est sur un truc du genre, ça va quand même assez vite, je trouve. Hop, voilà, bon, on a 25 partout, là, 25, 25, 25. Très bien. 17% restant, ouais, tu vois, ça tombe. Je t'ai dit, il suffit que les gens sortent du boulot, enfin des boulots de l'école ou quoi que ce soit, et vous allez finir par le tomber. Ah, on a 24 000. Allons-y. 24 000 ici, 6 multi. 8 multi, pardon, je vais y arriver. Je crois que ça en fera 9 même avec ce qu'on va gratter. Mais allez, là on va voir quelque chose. Est-ce que tu vas nous donner le jeu? Une Pandore s'il te plaît. Un CIA, pourquoi pas. Je sais pas dans quel état est mon Seiya sur celui-là. Ah non, c'était Ayulos, pardon. C'était pas du tout Seiya. C'était un Sagittaire en tout cas. R, putain, là il y avait vraiment rien pour le coup quoi. Même rien récupéré pour essayer d'avoir une 9e offerte pour avoir un autre garanti, mais là même pas. Allez, qu'est-ce que tu nous offres cette fois-ci?
Et tu nous donnes Shayna, pourquoi pas. Prends, prends. Tac. C'est rare de voir si on peut gratter une petite plus pour avoir. Parce que là, on va avoir deux, sûrement deux vides et il est garanti qu'après. Pas de surprise. 1500. Ah, ça peut être dur à récupérer. On va nier tout ça. On va en faire 5, soit 250. On suffira. On va pas s'embêter. Qu'est-ce qu'on peut invoquer? Là, on a 7 multi. Oh, on n'aura peut-être pas de place là. On va essayer quand même, c'est pas grave. On verra si on a la place. Un petit Moses. Bah, tiens, t'en parlais, tu vois. Regarde, hop, je peux jouer Moses dans les reliques, moi aussi. Ici, du Ichi, du Ichi, du Ichi. Et encore du Ichi. Après, je sais pas, on a envie de. Le jeu avait envie de nous donner du Ichi. Qu'est-ce qu'il nous donne cette fois-ci? Il nous donne. Ouais. Voilà quoi, du 3 étoiles. Ah, ça y est, plus de place. Oh, regardez, on améliore notre Moses sur ce compte incroyable. Entraînement, entraînement, entraînement. Hop, on est reparti. 46 encore. Oh, il va falloir faire de la place au bout d'un moment. Oh, une Shayna, décidément, qui vient avec sa constelle. Je crois qu'elle est max hein, sur ce compte. Rien du tout. Pas mieux. Plus de place. T'es dans quel état, Shayna? Est-ce qu'on peut te top ou t'étais max? Je ne sais plus. Quel est? On était max. Dommage. Il n'y aura pas de perso. Et ici. Oh, un Misty. C'est normal sur ce portail. De toute façon, on invoque le jour des Misty. Donc, un de plus ou un de moins. Ouh là, on a, là aussi, on en a. Ouais, mais alors là, le taux de drop est catastrophique. Mais on va quand même faire les 3 multi. Rien du tout. Pas mieux. Plus de place. Ah, j'ai pas de la destruction automatique là. 69. Hein? C'est-à-dire 69, je t'ai pas suivi. Ou alors j'ai dit quelque chose et j'ai pas fait gaffe. Ce qui est possible. Hop, et R. En feu, pourquoi pas en feu, vas-y. Rien du tout. Et un petit Algetti. Oh, une fournée de gardes de grade, magnifique. Ici, bon, on n'a pas grand-chose, mais on peut choisir de monter Seiya. Et de tenter un miraculeux en 7. Non. 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 Allez, un peu de chance. Tu veux pas nous en donner un petit exemplaire là de Seiya? Ça ferait plaisir, il est dans ma team alors qu'il est 6 étoiles. Ici, on a quoi? 7000? Oh, c'est pas beaucoup. Allez, une dinguerie. Pas de chance. Une dinguerie. Voilà, rien du tout. Une single? Une autre single? Il va rien me donner. Hein. T'es pas généreux le jeu, tu pourrais faire un effort quand même. Il n'a pas dû invoquer sur ce compte depuis 630 ans. Ah, il veut pas. Tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre à récupérer là-dedans? On peut récupérer ça. On peut récupérer ça. Le reste, on s'en fout un peu. Pièce de guilde. Ouais, vas-y, prends ça. Ça fera une quête pour le mois. Vas-y, ça sera un truc au pif. Courage. Y a rien. Et là-dedans. Je pense qu'on attendra d'autres choses que ça, je crois qu'on a déjà. Ici, on a quoi? On peut licencier personne. On peut échanger 1600. On ira peut-être récupérer un exemplaire de quelque chose. On verra après. Faut que je vois si où on est Pandore. C'est mon personnage principal là, sur ce compte. Donc peut-être est-ce qu'on pourrait avoir. Ouais non même un doublon ça ferait pas. Ça ferait pas le compte. On va continuer. Ouais. Je pense qu'on va attendre pour l'instant. Récupérer les ressources. On va voir ce qu'on a en box à ouvrir. Qu'est-ce qu'on a récupéré là-dedans? On a dû up un personnage, non? Même pas? Même pas.
Là, on n'oublie rien, non. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos sacs qui traînent? On a des trucs. Oula. On peut ouvrir ce genre de choses là? Ah, super, ça va faire du ménage. Ah mince, ils sont pas. Ils me les enlèvent pas directement. On va essayer de se débarrasser de tout ça. Ça fera des pièces éventuellement pour aller chercher un doublon doré. Ce qui peut ouvrir, ouais, très bien. Et ce qui reste? Parfait. On continue de fusionner tout ça et faire de la place. Allez, vas-y, encore un peu. Allez, fais-moi de la place, voilà. C'est à voir ce qu'on peut EP éventuellement après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a 522, ça en fait 8. Une dinguerie. Oh, un Mew. C'est déjà pas mal. Alors après, le reste, Misty classique, la boule, pas grand-chose. Une Shenna qu'on a déjà. Ayolilia. Disant qu'elle était Ayolia. Un Mew déjà. Oups, pardon. Attends. Ouais, mais je sais pas où j'en suis de Misty. Si Misty c'était fini, on pourrait améliorer ça. Ça, on peut faire ça déjà, effectivement. Si bon, ça faudrait qu'on le joue, mais bon, mettons. Et Ayolia, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est déjà voir où en est Ayolia, parce que s'il est terminé, il est terminé. Donc, ça fera juste des doublons en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Joseph, ici. Pas mieux, ici. Pas de miracle, et ici, encore Misty, décidément, full Misty et full Dante. Hein. On a vu que ça ce soir, des Misty, des Dante. Incroyable. Vas-y, là on peut faire de la place. Il faudrait qu'on arrête de faire de la place et qu'il nous fasse quelque chose pour qu'on puisse convertir ou quoi, là, parce que. On va tous avoir des box qui débordent. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de parchemins de swap, mais on n'en a pas spécialement besoin. Ça non plus. Ça c'est quoi? Random. Pourquoi pas? Ça. Non. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? On a plein de fois ça, mais on s'en fout. Y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il lui faut à ce compte là-dedans? C'est ça ou ça, mais je pense que l'XP pour l'instant c'est pas encore le problème. Prends ça ici. On va essayer de stack de la télékinésie, on ira faire une invocation supplémentaire. On sait, autant prendre là où il y en a le plus en nombre ici, sinon ça sert à rien. Là, on peut prendre ça. Là, on continue de stack les télékinésies, on y retournera comme ça. Là, on va prendre plutôt ça. Ici, on va prendre ça. Je sais pas si ça suffira à faire un. Si c'est bon. La dinguerie. Pas du tout. Ça aurait pu, on sait jamais. Ici, au pif, non. Des ressources, des ressources, encore plus de ressources. Là-dedans, encore ça. Ici, au pif, rien du tout. Envie de toutes les ressources, vas-y, on prend tout. Qu'est-ce que ça bloque? Ça passe. Ici, je pense qu'on va continuer ça du coup. On pourra prendre un petit niveau ou quelque chose au moins. On va être triste. Ok, on a tout vidé. Parce que j'ai comme ressources de côté. On a ça là aussi. On a 800. Peut-être que j'allais voir aussi ce qu'on peut en foutre de ça. Un moment ou un autre. Oh, quoi que tu veux dire, ça reste, non? On a pris combien là? 4K. Ah, attendez, on est ouvert. Est-ce qu'on a ouvert Dante, non? Et là, on est sur la pitié. Ouais, on est sur la pitié. Donc, on va avoir une rouge. On avait autre chose de pendant qu'on faisait les fusions au pif là. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes, Chaka? Chaka qui revient demain. Ouais. Oh, c'est pas tellement ce qu'on cherche, mais vas-y. Hypno tout ça. Ici, on a dû débloquer, voilà, un peu de points là. Hop, on monte. Chacun revient pas demain? C'est pas demain, c'est quand?
La semaine d'après? Ah oui, c'est vrai que. Oh putain, c'est vrai qu'il y a tout en décalé parce qu'ils ont fait. Ils ont fait le patch sur les X prochaines semaines, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, parce que là, on a les orphelins, donc on l'aura que la semaine d'après, oui, non, t'as raison. De toute façon, il faut qu'ils clôt les reliques et tout, et donc forcément, ce sera que même que la semaine prochaine. Il y a le néant la semaine prochaine, ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, il y a le néant jusqu'à ce qu'ils reviennent de congé, quoi, globalement, on va dire. Vas-y, on met des points là pour l'instant, un peu au pif. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? New? Qu'est-ce qui est new là-dedans? C'est juste parce que je suis sur l'émulateur, non? Il n'y a rien de new là-dedans. Est-ce qu'on a récupéré assez de ressources pour faire genre une multi ou un truc? Ouais, tout à fait. Un hachi. On est loin avec ça. On est à 1. Ah ben on va faire au moins 1. Vas-y, on fait 1 ici. Quand même récupérer un ticket, quoi. Ticket, ticket, ticket. Qu'est-ce que tu nous donnes? On n'a pas eu de dinguerie, hein. Il est où le ticket? Il est là. Bon, ça sera encore pas une dinguerie. Hop. Alors attends, c'est quoi ma team ici? Ah, qu'est-ce qu'on a débloqué? Un Aiolia. Ok. Il y a d'autres choses? Non. Hop. Ouais, ma team ici c'est toujours ça. Ouais, c'est toujours ça. Bon, ça c'est un peu relou. Faudrait peut-être que je fasse au moins ça maintenant quand même. Histoire de que ce soit un peu mieux quand même. On va faire ça. Du coup, où est-il? Faudrait qu'on l'ape encore un peu pour ce compte, mais. Vas-y, on va le respecter un petit peu avec les ressources qu'on a pris. De toute façon, on veut qu'il meure, lui, donc à la limite, en 4 dans la story, on va peut-être essayer de tester. On va voir si on peut avancer avec. Ça va avoir une team très basique, mais pour l'instant, ça me pose pas de problème pour avancer au rythme où je vais avancer sur ce reroll, évidemment, parce que bon, pas du tout les mêmes objectifs que sur le compte principal, on va pas se le cacher. À quelle heure il est là d'ailleurs? Je regarde un peu l'heure histoire de passer. Finir la GS de l'autre côté. Attendez, avant de gaspiller les ressources. Alors là, on est à 30. Qu'est-ce qu'on te met? Ça, pour l'instant. Là, t'es à combien? T'es à 28. Ouais, on va d'abord finir toi. Ok, ça, c'est cool. Astérion, t'es à combien sur l'armure? T'es à 30. Toi, t'es à 22. On va plutôt continuer ici. On va pas pouvoir en mettre beaucoup, mais vas-y. Ok. Oh, c'est pas mal, ça, déjà. On va peut-être changer la team aussi en... Ah oui, non, mais ça, on s'en fout. Changer juste la team en défense. On va remettre ça. On va virer ça. Et mettre ça, ça nous ira très bien pour l'instant comme team. On pourrait faire du safe, on va dire. Faire ça. Mettons. On pourrait peut-être essayer, ça fait un moment que j'ai pas testé sur ce compte. Ah mais du coup je les ai validés. Il faudrait peut-être que j'essaie d'améliorer les épreuves là aussi sur ce compte maintenant. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. J'essaie de penser à ça. Tac tac. Il faudrait sûrement les labyrinthes aussi que je les avance. Ouais, je fais vraiment pas grand chose hein, sur le compte. On va juste essayer de faire assez rapidement, voir si on peut avancer un petit peu en story. Et après, on repassera sur le compte principal pour la mini AGS là. Et après, on verra. De toute façon, ça sera pas une trop longue session ce soir. Je sais pas depuis combien de temps en live là. Je sais plus à quelle heure j'avais lancé le live. Fait une petite heure non? Ça fait une petite heure. On peut continuer tant qu'on trouve un peu de quoi s'occuper. On va essayer de voir un peu jusqu'où on peut avancer avec cette team sur la story. Déjà, on récupère ça, c'est très bien. Et on récupère ça, c'est cool aussi. On a combien de... On est à 5900. On va stacker un peu les diams pour les prochains pétales. Ouais.
Prochain pédale, je pense que je continuerai sur Iki GC pour ce compte-là. Même s'il revient qu'une fois encore, puisque là on a eu Iki into Aiolia. Si je dis pas de bêtises. Ça c'est pas mal. Même si bon, il faudra peut-être un jour qu'on pense à mettre autre chose que Misty, mais bon. Ici pour le début du jeu, ça fait quand même le travail. Hein. Oh, on a perdu Astérion. Terrible. Sinon, mais on remet Papyfront, on enlève Misty pour mettre Aiolia. Ouais, non, ça me va comme ça. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Je suis pas sûr qu'on aille très loin. Après, ça fait peut-être un petit moment que je fais que la Coty avec une attaque. Attends, on est en. Oui. Mais bon, avec juste une team comme ça de base, il y a moyen d'aller assez loin au final hein, dans la story. Hein. Faut pas croire que c'est si compliqué que ça, même si évidemment, une fois que vous arrivez au chapitre 32 et tout, c'est un peu autre chose. D'ailleurs, j'espère qu'on aura un jour les chapitres 40+. Mais comme je dis là encore, je pense qu'il va falloir attendre l'arrivée de Next Dimension pour avoir vraiment les nouveautés sur la version. C'est pour ça que j'espère qu'on va nous annoncer rapidement Shenhades pour passer ensuite à Next Dimension et avoir un peu les nouveautés. Je pense bah, notamment au nouveau boss qu'on n'a toujours pas, au niveau supplémentaire d'AD, de story, de l'habit. On attend vraiment vraiment beaucoup de choses. Hein. Je sais pas d'ailleurs pourquoi c'est pas déjà arrivé, alors que si on prend la chronologie sur la scène, je pense qu'on avait quand même déjà bien en amont toutes ces nouveautés, même au-delà des nouveaux modes, parce qu'il y a plein de modes qu'on attend aussi. J'aimerais présenter un petit peu des nouveautés sur le jeu parce que, comme je dis, hein, moi je m'amuse. Alors je m'amuse et j'y reste surtout parce que bah, le côté communautaire, Vesperia et compagnie, hein, on va pas se cacher que sans ça j'aurais probablement déjà arrêté. Mais notamment bah, comme là avec Lunatic sur les reliques, j'aime toujours beaucoup ce genre de choses. C'est dommage qu'on nous prive un peu de tout ça alors qu'on pourrait déjà avoir tout ça. Parce que bon, on dirait pas comme ça, mais finalement le deuxième anniversaire il est pas si loin. Hein. Et ça fait beaucoup de choses qui sont actuellement présentes sur la CN qu'on n'a toujours pas, alors qu'il avait déjà bien en amont du deuxième anniversaire. Je sais pas quelle sauce on va être mangé pour nous délivrer toutes ces nouveautés, mais évidemment, il faut que ça arrive. Bah, techniquement, on a déjà eu une petite nouveauté avec l'illusion du vide. Mais bon. Où est tout le reste, quoi? Alors comme je dis, on va essayer de supposer que c'est logique, enfin logique. Ouais, on va supposer que ça va arriver avec Next Dimension, quoi, mais... Sachant qu'on risque d'avoir aussi les statues. Oh là, il va y avoir encore tout un merde, il y a tout plein de choses. Bon, l'avantage, c'est que cette fois-ci, enfin normalement, on n'aura pas de dinguerie qui va arriver la veille de la GSI. Ça, déjà, c'est pas mal non plus. On essaiera de se défendre en GSI autant qu'on peut, notamment contre Omega, ça va être dur. Hein. Ils vont repartir de nouveaux favoris, mais. On va essayer de faire au mieux. Déjà, on a assuré les reliques. On partira pas sans titre cette saison. Là, on avance un petit peu, c'est cool. Ce petit Iki GC, même pas up. Toujours un truc qui stabilise un peu les runs en story, ça fait plaisir. On est où là? Hop. Débloque 6 statues. Il y a tellement de trucs à développer que j'ai plus l'habitude de voir. Termine toutes les étapes du chapitre 25. Ah, c'est con, on a déjà Aiolia. On pourra refaire une multi. Enfin, deux multi même d'ailleurs. Parce que sur le compte principal, autant dire que là-dedans non plus j'ai rien. Toutes les quêtes qui me restent à faire sur le compte principal, c'est des quêtes du futur, puisque c'est des quêtes qui supposent qu'on est le chapitre 41 et compagnie. Quoi. Même ça, j'ai plus ça à faire sur le compte principal. D'ailleurs, globalement, j'ai pas grand chose à part les events de guild à faire sur le compte principal d'ailleurs. Alors que j'adorerais me battre de nouveau contre la story et surtout contre l'AD. J'adore l'AD. Alors l'AD, le Northern Dimension, ne commencez pas à penser de quoi je suis en train de parler.
Ouais, hors contexte, c'est un peu bizarre. J'adore la D. Le Nosor Dimension a un mode de ce jeu. Attention, pas de mal, pas de misinterprétation. Et à noter que je rappelle pour ceux qui voilà qui suivraient pas, parce que c'est vrai que ça fait je stream plus, moins régulièrement du CNCA depuis le 4 août. J'ai plus rien, j'ai plus d'AD, j'ai plus de l'habit depuis octobre, j'ai plus de story depuis probablement encore avant l'AD. Je sais pas, donnez-nous des choses quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils distribuent pas plus de ce genre de choses. Même si même quitte à mettre un chapitre par mois, enfin je sais pas. C'est je comprends trop. Sachant que sur le Nether Dimension, si je dis pas de bêtises, et c'est peut-être même encore plus loin maintenant, mais en tout cas, passé un moment, il y avait 1200 niveaux, hein, donc il y a 300 niveaux qui nous manquent. Et si ça se trouve, il y a eu depuis des mises à jour sur la CN, et il y en a peut-être encore plus. Hein. Parce que je vois que ça fait très longtemps que je vais plus sur la CN, vu que ça avance plus sur notre version. Parce que ça sert à rien de se dire, il va arriver ça, alors que de toute façon, ça arrive pas. Pareil, je viens de finir la D, c'est relou. Me reste 1,5 chapitre de story, heureusement. Ouais, mais tu vas voir, ça risque d'aller vite. Hein. Surtout que maintenant, à mon époque, c'était compliqué de faire ces niveaux parce qu'on n'avait pas tout ce qui était statue, etc., vestiges, machin. Là, autant vous te dire que si c'était cette tryhard de chapitre, ça va aller vite. Il y a énormément de trucs en plus par rapport maintenant qui font que c'est plus simple. Et surtout les personnages, évidemment, mais en plus tous les bonus. Là, maintenant, ça doit être avec des personnages comme IKIGC et tout. La story et l'AD, ça doit être encore plus simple qu'à l'époque. Le niveau de la story est très simple, juste la CC qui bloque. Ouais, c'est ça. C'était déjà le cas à l'époque, ça restera toujours d'actualité. La CC, ça reste toujours un problème par contre sur la story. Enfin, c'est un problème, c'est fait pour lisser. On comprend pourquoi il y a ça, mais par contre, effectivement, ça peut être une raison de blocage. En dehors de tout le reste, quoi. Après, sur la CC, c'est que sur les niveaux qui sont des niveaux simples. Donc, tu peux juste aussi faire une team dédiée à la CC que tu utilises pour passer les paliers qui demandent moins de travail, et il n'y a pas la CC sur les trucs avec plusieurs teams, donc là après tu swaps. Et si tu utilises des personnages comme Hypnos, Athena et compagnie, ou Shiryu, tu peux avoir la CC nécessaire à passer, et c'est suffisant généralement pour passer les paliers qu'il y a sur ces chapitres-là. Petite astuce comme ça que je donne, enfin bon, je pense que je l'apprendrai pas forcément à grand monde, mais... c'est ce que je faisais à l'époque, puisque bah, c'est pareil, à l'époque c'était encore plus dur d'avoir 30 millions de CC. C'est toujours plus simple maintenant, mais... Waouh. On en est au boss là, non? Parce qu'on vient de se faire vert. Attendez, on va regarder ce qu'on a en face là. Ouais, c'est Chaka qui va casser les pompons comme d'hab. Il est où? Il y a plusieurs options. Est-ce qu'on peut tester juste... un truc comme ça, est-ce que ça peut être suffisant ou est-ce qu'il faut que je rentre à Sirius ou une connerie? Je n'ai pas spécialement prévu de tryhard, c'est juste que là je pense qu'on peut terminer le chapitre et faire deux multis de plus, et après on passera faire un petit tour pour voir si sur la GS il faut faire une deuxième attaque. On se fait casser la gueule là. Niveau avec Chaka sur la story qui sont toujours un peu une contrainte, bon là je pense que ça devrait passer quand même juste... Juste on va cliquer. On va patienter avec les flammes du Phoenix qui font leur travail. Même si là il est que 9, hein, donc bon. Il serait platine, on aurait bouffé le niveau en 2 secondes. Voilà. C'est parce qu'il me semblait que juste faire un petit swap de placement serait suffisant. On va récupérer. On va passer au chapitre suivant et on va récupérer les récompenses. On arrive déjà à Poséidon ici là. Toi je. On sait pas qu'on était déjà à Poséidon. Là. Mais allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue sur le feu. Ouais. Je sais pas vraiment de quoi j'ai besoin, mais vas-y. Iki, oui, bah c'est pas celui-là qu'on veut. T'es gentil avec ton Iki, mais Iki, oui, d'accord, Iki, c'est très bien, mais c'est pas ça. On peut pas convertir des Iki en Iki. Ça me fait une belle jambe. On a rien récupéré d'autre. Qu'on a là-dedans qui traîne. Alors, on a 9 là. Il y a des trucs qui traînent dans tous les sens, évidemment, sur ce compte, mais. Il serait de faire un petit tri un de ces jours. 26-1. Bon, bah, c'est bien, on aura avancé d'un petit chapitre, c'est cool. On va repasser sur le compte principal pour aller
Si on peut faire une petite T2. Je fais ma T1 sur Franck, ça s'est bien passé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux là-dedans? Alors je pourrais ouvrir, mais je voudrais attendre qu'il y ait Eolia éventuellement sur certains. Donc on va stacker les ressources là. Là je pense que je vais en faire pareil, on va stacker. Sans y a rien de pressé, on pourrait faire les. Le feu, là on va stacker aussi pour Aiolia quand il sera là. Donc, okay. Sur ce compte-là, on va tout garder pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on a à faire comme T2? Alors, comme je disais, j'attendais que les gens attaquent. Je vois que la plupart l'ont fait. Il reste qui? Damonis, Lindir, Pegasus, Marcel. Ah bah ça va, il reste encore tout le monde. Et je regarde si. Là, c'est l'open saison, mais je sais pas s'ils ont ouvert. Attendez, on va regarder. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme. Oh, ça glisse, il y en a qui ont raté leur cible. Ah, je vois que Pegasus est en train de se préparer. Daminos, non, ça va, ils ont appelé tout le monde. Sur les consignes. Yoga, il a attaqué qui? 4, il en est où le 4? 4 c'est Moon Knight. On peut tenter Moon Knight. Qui s'est crash. On peut essayer Moon Knight avec une T2. Les autres ont leur cible normalement, donc on peut tenter ça. Qu'est-ce qui nous joue Moon Knight? Oh là, ça va être relou. Oh, il y a GK en plus. Ah, il y a GK et Hypnose. C'est moche. Il y a deux options. En front, c'est chiant. Mais on peut quand même faire ça. Genre, on fait ça. Et puis, de l'autre côté, on fait genre, on met ça. Derrière. Ah, attendez, je vous remets la musique. Il a sauté. Hop, ce sera mieux. Derrière on met ça et puis après on a envie de jouer genre ça parce que c'est sympa et puis ça pourquoi pas et là tchac 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 paf paf pif pif et voilà c'est réfléchi hein, comme composition. Et voilà c'est gagné, bravo, GG. Merci pour votre contribution. Ah, c'est bien, je suis en forme aujourd'hui, j'ai fait 6 points. Attendez, je vais juste le dire dans la guilde. Bon, du coup, j'ai pas trop suivi la conversation. J'espère qu'il y avait personne qui était en train de se préparer pour Moon parce que j'ai pas vérifié s'il y a des gens qui étaient en train de skier, mais. Mais bon, c'est au pire dans 3 secondes on m'insulte, mais c'est pas grave. Merci pour les GG tartiflettes. Et bonsoir Devo. Et ça on aura pris Frank et Moon, c'est pas mal. Pris le 4 et le 5, ça fait plaisir. Ah d'ailleurs Moon c'était. Oui, j'avais pas fait gaffe, mais Moon c'est quelqu'un quand même. Qu'est-ce qu'il nous reste? Aldé, 36 millions et. Et j'en sais rien qui. Non, il restait juste Aldé et Moon. Ah oui, merde, alors attends, parce que j'ai peut-être pris quelqu'un qu'il fallait pas. Parce que là, en fait, il reste que Aldé. Non. Il reste. Ah, voilà, il reste Biftanen. Mais Biftanen, quelqu'un devait l'avoir en cible. Donc, bon. Parce que je crois que Moon, c'était Yoga qui a raté son attaque. Ok. Bon, de toute façon, on pouvait faire 0 points, on était qualifié quand même hein, de toute manière. Donc, ça va, leur team a juste 3 fois le power de la mienne. Ouais, alors après, des gens qui sont à 56K, enfin à 53 millions, il n'y a pas non plus 15 000 personnes, même chez nous. 57, Torel il est à 45, enfin des gens à 50 plus, il n'y en a pas tant que ça. Je suis à 54. Je sais pas s'il y a d'autres personnes, je pense peut-être non, il n'y a pas d'autres personnes qui sont à 50.
Si, il y a 54. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ici Azrak, et oui, après, il doit y avoir Marseille et tout, mais c'est vrai que nous, c'est tout mélangé. Il y a des gens qui sont au fond. Voilà, Tenchi et tout. Non, en fait, on est plus nombreux. C'est juste que vu que c'est tout dans le désordre maintenant, voilà, ouais, Marseille à 50. Parce qu'ils ont dit, je dis n'importe quoi. Évidemment qu'il y a des gens à 50, c'est juste que c'est tout mélangé à cause de la story. Enfin, même pas de la story, à cause du classement avec le nombre de persos qu'on a, 3 étoiles, enfin, des trucs qui n'ont rien à voir dans le jeu. J'aimerais savoir exactement pourquoi ils ont autant, même si je sais que la réseau joue beaucoup. Ouais, la réseau joue beaucoup, évidemment. Moi, je suis à 584 et globalement, ça snowball beaucoup. Ça snowball beaucoup. Ce qui va impacter également, bah, c'est évidemment le terrain d'entraînement. Là, moi, je suis à 127 maintenant. Et après, tout ce qui est petit à côté. Ici. Quand t'es level 30, ça rapporte quand même pas mal de stats sur ta team qui est positionnée. Évidemment, les statuts, ça fait le taf. Et globalement, on commence à avoir beaucoup de choses qui se cumulent et ça snowball. Parce que globalement, ce qui va avoir le plus d'impact, évidemment, c'est la résonance. C'est ton niveau de cosmos. Mais si tu pars de haut, plus chaque pourcentage que tu vas prendre va se démultiplier au final. Puisqu'il y a des choses qui sont pas forcément cumulatives, mais multiplicatives, et ça fait que bah, du coup, quand tu commences à atteindre les gros niveaux de cosmos, tu prends vite 10 millions d'avance et tu peux prendre 1 million par jour à un moment, quoi. Pourquoi tu as mis 0 sur les tanks? Parce que globalement, les tanks en ce moment, ils jouent pas. Ou quand j'en ai besoin, comme Shiryu, il n'y a pas besoin d'avoir des stats. Par contre, sur tout le reste, et notamment pour les reliques, il y en avait besoin. Donc là, globalement, j'essaie de terminer Jamir à 127, et après, une fois qu'on sera à 127, je commencerai à remettre des trucs sur Rosanne. Mais globalement, les tanks, c'est pas que c'est pas joué, mais entre guillemets, c'est pas dans la méta, on joue pas beaucoup de tanks. Et à l'époque où on jouait des tanks, bah, c'était principalement Athéna, il fallait pas jouer du coup de Rosanne pour pas avoir la ténacité. Donc globalement, chez moi, c'est à zéro. D'ailleurs, globalement, si vous avez peut-être pas vu, hein, mais sur les reliques, même sur les reliques, j'ai pas monté des trucs des tanks, donc ça reviendra. Ouais, ça reviendra à l'anniversaire. Parce que si je dis pas de bêtises, spoiler alerte, Hadès est défenseur, je crois. Et Hadès est craqué. Mais bon, chez nous, entre-temps, on va avoir Shen Hadès, il sera passable, ça fera pas revenir les tanks. Et je pense que d'ici là, même Doko, ils ont pas du rêve. Donc faudra attendre Hadès, si je dis pas de bêtises, qui sera lui très très fort et qui, il me semble, est tank. Donc vous pouvez vous en passer. Après. Enfin, j'ai beaucoup de diamants et je peux me permettre des swaps. Hein. Quand vous êtes free-to-play et que vous voulez pas gâcher de ressources telles des diamants, ne faites pas ça, équilibré. Hein. Encore 6 mois? Ouais, dans 6 mois à peu près, ouais. Au mois de juillet, je pense que le 15 juillet, on aura Hades, quoi. Donc ça doit faire à peu près 6 mois. On est à peu près à 18 mois maintenant de jeu. À peu près. Juillet, même peut-être un peu plus, donc peut-être un peu moins. 5-6 mois, quoi. Donc c'est pas si loin, hein, non plus. Et là, ce sera probablement viable. Après, faut tester, hein, parce que ça a l'air craqué, mais c'est comme d'hab, ben, ça dépend comment ça arrive chez nous et si ça fonctionne. Parce que des fois, il y a des personnages qui sont craqués, mais vu qu'ils sont pas fonctionnels à cause des bugs et tout, ça fonctionne pas. Donc, faudra quand même voir un peu sur l'aglo quand Hades arrivera, si c'est tout aussi jouable. 37 messages, peut-être pas les afficher, je sais pas ce qu'il raconte. Hop. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Donc, ça, on a attaqué. Il y a des persos craqués qui arriveront avant la Nive. Ouais. Moi j'attends surtout Aphrodite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent Shura. Ouais, il y aura quasiment que des Dark and Light, hein, globalement. Ça va s'enchaîner comme pas permis. Il y aura des personnages craqués sur l'event de Shaka, mais bon, ça c'est irrécupérable. Shura, moi j'y crois un peu moins. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien le truc avec les terrains, etc. Donc, mais ce sera à tester. Par contre, Afro, ça a l'air incroyable. Afro GC. Et donc moi j'irai sur. Donc là je finis mon AUL AGC, après je pense que j'irai quasiment directement sur Afro. Va falloir voir dans quelle ordre ça sort évidemment chez nous. Et après sur Hades. Après le reste, il y a des trucs forts mais ça me semble skippable. Des personnages comme Eak qui sont un peu anti-méta, qui vont être très intéressants, mais ça va être dur à aller chercher. Doko, ça me vend pas du rêve, en tout cas de ce que j'en ai vu. Artemis, ça a l'air fort, mais c'est pas irremplaçable et ça sera moins impactant que des personnages comme Hades à mon avis. Mais ouais. Et après, un des personnages les plus intéressants que j'ai recherché c'est E4, mais E4 c'est comme Papy Doko, bah, faudra sortir juste 20 euros quoi. C'est un personnage astral. Qui sera dark aussi. C'est pour ça que j'en parle par rapport à la question.
S'ils sortent en juillet, ça serait tôt par rapport à la CN, même si je sais pas s'ils suivent pas l'ordre. Ça sera pas tôt parce qu'on a rattrapé la CN déjà largement, donc ça pourrait même être en avant. Mais pour moi, c'est un personnage de type anniversaire. Donc pour moi, Hadès, il doit sortir comme Seiya. Donc c'est pour ça que le 15 juillet, ça me semblerait logique. Techniquement, on n'a pas de retard sur la CN. Hein. On peut enchaîner les personnages au même rythme. On pourrait même les rattraper encore puisqu'on a pris énormément d'avance sur les persos. Donc c'est pas un problème, ça dépend hein, à quelle sauce ils veulent nous manger sur les prochains mois, mais pour moi j'imagine mal que ce soit autrement que pendant l'anniversaire le Hadès. Ouais, mais ça fait un beau perso anniversaire. Oui, c'est ce que je disais, ouais, c'est un beau perso anniversaire, je suis d'accord hein, avec Devo. Pour moi ce sera le cas. Je peux me tromper, c'est encore qu'une supposition, comme je dis d'habitude, hein, mais pour moi ce sera probablement ça. Mais bon, à voir, parce que je sais pas, j'ai pas la réponse. Hein. Vu qu'ils communiquent toujours aussi peu, et la seule chose qu'ils ont communiqué récemment, c'est un code qui n'est pas valide. C'est-à-dire si c'est fort. Qu'est-ce qu'on fait? Bah là, de toute façon, on est première d'arène mondiale, donc on s'en fout. On se fait un petit peu de. Ça fait un siècle que j'ai pas fait ça, mais on peut se faire une petite session de. Si vous voulez me stream snipe, n'hésitez pas. J'ai pas joué à ce mode depuis des semaines et des semaines. Attends, là je choisis en premier, c'est ça, je sais même plus comment ça fonctionne. On a du GK, on a du Ikki. Oh, c'est pas terrible le GK. Le Potrima, quoi, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas, c'est avec plaisir, il y a aucun souci. Hein, si vous voulez me stream snipe, ça a toujours été ok pour moi et ça allait encore donc. Donc surtout n'hésitez pas. J'aurais peut-être dû aller chercher Zelos là, parce qu'on va manquer de tankiness. On pourrait faire Zelos Doko d'ailleurs. On va faire Zelos Ptolémy. Plus que 5%, ça fait 4 heures qu'ils ont ouvert pour nous. Bah voilà, tu vois, 5% ça tombe. L'important c'est juste que vous le tombiez pour être dans le top 30. Hein, donc peu importe, même si vous prenez encore une heure de plus, ne stresse pas, je vois qu'à la vitesse où ça tombe, vous êtes bien. Comme je dis, hein, c'est le nombre qui compte plus qu'autre chose. Si tout le monde s'y met, vous allez tomber et valider votre top 30. Ce qui serait une autre chose. J'irai voir d'ailleurs si Equinox a tombé ou pas là, après. Ah, on a perdu Ptolémy, mais ça devrait bien se passer normalement. Ouais. C'est une victoire. On va aller voir si d'autres guildes ont passé là. On va relancer après, hein, vous inquiétez pas, je reviens, c'est juste. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Règlement du pari. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quoi? C'est quoi? C'est la JW qui est ouverte? Je sais, je m'en suis pas occupé. Alors, c'est possible que. Non, c'est la JW ou la JW? La JW. On est passé? On est passé. Je sais même pas si j'avais mis une team. Non, on joue Zulu, Intou, Fléau, Intou Taurel. Donc, du classique pour mon serveur. Pas bien spécifique. Alors, où ça en est ici? Non, ça n'a pas bougé. Equinox, faut y aller. Hein. Après, c'était quoi? T'étais 22e, t'as dit? Non, t'es chez Omega, chez la petite Omega? T'es où? Enfin, quoi qu'il arrive, si vous êtes à 4%, vous allez reprendre des places, quoi. Là, je suis en train de monter ma Pandore et je découvre le bonheur de One Shot Pandore. La Pandore, c'est très très bon. T'es chez Arayashiki? Ouais. Ah oui, tu m'avais dit 22 tout à l'heure, oui, en plus. Bah, c'est bien, vous allez prendre de la place même. Vous allez valider le top 30 et vous allez prendre des places. C'est cool. Par contre, j'espère qu'Equinox il tape. Parce qu'il faut terminer l'Equinox, hein, faut valider votre truc quand même. Attendez, on repart ici. Je bois un petit coup. Donc, ça se lance. Hello, ça y est. Qu'est-ce qu'on se fait? On peut se faire un Sorento, on peut se faire un Mew. Mais Mew va être plus important. Saga, c'est embêtant aussi, mais bon. Saga Canon, pardon. Land Pandore, tu seras surpris lors de la review de ma box. Ah ouais? T'as respecté Pandore ou t'as pas respecté Pandore? Je sais plus ce qu'il y avait dans ta box. Ah bah il a pris les deux. C'est bien joué. Et je sais plus ce qu'il y avait dans ta box, mais bon, ça sera l'occasion de voir où t'en es, parce que je ne sais plus à force. C'est vrai que ça fait longtemps. Mais. La plus grande période, on n'a pas dû voir ta box d'ailleurs. Il n'y a plus Necro non plus pour la review.
Il me semble que la dernière fois, quand on avait fait la review, c'était mieux sur les Araya et tout, quoi, de mémoire, déjà. Mais il faut respecter Pandore, hein. Pandore, ça reste très fort. Ça sera probablement très fort aussi avec Hadès, même si, bon, il va falloir patienter, mais... Et la preuve que Pandore est très très intéressante, hein, c'est que, par exemple, sur le reroll, je joue à peu près que ça, et ça fonctionne. Un des personnages que j'ai le plus joué, y compris sur le compte principal, hein, j'ai... vraiment été un dans les rares à aller la récup d'ailleurs dès le début. Ça fait plein de choses hein, sur le PvE. Bon, moins sur le PvP, mais on sait jamais en PvP elle pourrait revenir si justement il y a des bonnes interactions avec Hades. Ça s'est bien passé. Ah, c'est bien, hein, ça fait un moment que j'avais pas fait ce mode, mais ça va. J'arrive à me défendre. C'est surtout que j'avais trois fois sa carte rouge. Ah, par contre, c'est évidemment beaucoup plus fort, encore plus maintenant qu'elle a sa carte, oui, c'est sûr. Moi, c'est juste sa carte maxée, hein, évidemment. Je me suis dit qu'à un moment faut la monter. Ouais, il y a un moment quand même faut aller chercher Pandore quoi. Si vous voulez être plus tranquille sur pas mal d'events PVE, ça fait partie. Bah tiens, voilà, on va la respecter. Ah bah non, j'allais dire on va la respecter, mais c'est pas moi qui commence à prendre. Ah ouais, bon, dommage. Kiv, c'est pas bien. Je voulais. Les Pandore, on en parlait. Triste. Triste, triste, triste. On nous a volé Pandore. Ça fait partie de mes personnages préférés sur le jeu pour le coup. Dans le manga aussi d'ailleurs, très 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 bon perso, très belle histoire et tout. C'est bien qu'elle ait été respectée là aussi. Enfin, d'ailleurs ça fait partie des personnages du début du jeu qui sont quand même value très très longtemps dans le temps, notamment par rapport à sa force sur le PvE évidemment, mais on a pris des trucs copies, c'était pas fou. Bah, par exemple c'est beaucoup mieux que Radamante. Pour donner un exemple, bon, même si Rada c'est ouais, non, même en relique, je suis pas arrivé 3 value aujourd'hui, même si j'ai joué aujourd'hui sur le dernier combat parce que j'avais le temps de terminer les 5% qui restaient. Personnage tellement classe, il y a une histoire insane. Ouais, ouais, un rôle en plus dans les enfers et tout. Enfin, vraiment, après, il y a plein de personnages intéressants dans Senseiya qui sont développés, mais Pandore particulièrement réussi et sur le jeu totalement respecté. C'est pour ça que j'espère que Hades n'aura pas de mauvaise surprise, même si de ce qu'on en a vu sur la scène, ça a l'air respecté, parce que bon, surtout que ça fait un moment qu'on l'attend. Et que Sean Hades, pour le coup, on pourrait pas dire que c'est extrêmement respecté. Bon, maintenant, j'occupe un rôle de pom-pom boy pour les derniers pourcents. Ouais, c'est ça, encourage. Fais des rappels. Fais plein de rappels sur les Discord et tout, taper, taper, taper. Attendez, est-ce que je me suis fait insulter chez Vesperia parce que j'ai fait que je tape. Gros GG, Arco est en forme. Non, ça va, c'est bon. C'est bon, ça va. C'est positif ce que j'ai. Solide, ça va, non, c'est bon. J'ai deux messages qui m'étaient destinés, mais ils sont positifs. Ouais, bien. Parce que je savais pas s'il fallait que j'attaque ou pas Moon. Mais tout va bien. T'as fait combien de dommages au total odd? Ah, sur les reliques. Voilà, on a pris Niobe. Voilà, on n'a pas de bonus cool. Oula. Ça va être compliqué là. Si on pouvait placer. Ouais. Ouais, les timings avec Thanatos, ça va être embêtant. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Saga qui tombe tout, mais pas Misty encore. Ah, dommage, on aurait fait tomber Misty, c'était bon. On a perdu un peu trop de monde avant. Cancer 91. Et niveau 378 sans rename, incroyable. Poula. Shiryu. Putain, c'est compliqué là de pique. Ouah. Je sais pas quoi prendre. J'aurais bien pris Shiryu quand même. S'il le laisse, j'irai le récupérer. Donc, quand t'as un truc au pipe, s'il y a Poséidon, on va chercher Tétis, mais c'est un peu improbable quand même. Ouais, je crois qu'on va prendre au pif et si jamais on a une surprise. Ouais, aïe aïe aïe. Yo. Ok. Avec Shiryu, ça aurait été plus convaincant, je pense. Ouais, moi je vais dans ce sens-là. Et on va voir si on a fini la GS d'ailleurs.
Que ça passe. Et donc on arrive à ça, on a encore quelques bons restes sur ce mode. On est où là? 10 sur 15. Attendez, je vais voir où on en est. On en est ici. 56. Oh, il y a eu un petit crash, non? Est-ce qu'il restait attaqué, on a dit tout à l'heure? Il restait Aldé, il restait Bip. Oui, ça y a eu un 2 sur 3. Alors, 595 milliards sur les jumeaux, 0 sur Pandore, pas tapé, 24 milliards sur Rada, 34 milliards sur Orphée. Il nous a sorti la... tout le détail. Bif, qui c'est qui a crash sur Bif? Il nous reste encore du monde? Ouais, il y a Lindir, il y a Damonis, comme ça, on va arriver à faire 60. Oh, Bif qui a bien résisté, hein, parce que Alex qui n'a pas tombé non plus, Tenchi en T2 qui a fait 2. Ezra qui avait fait double 3, GG, Ezra, Jaden aussi, Inatic aussi, oh ça va, on est bien. Je suppose que Pegasus qui est en train de skier devait le faire sûrement sur Aldé. Et après il restera des T1 pour les tombes Bif, donc ça va, on devrait arriver à refaire 60. Tout va bien, tout va bien. Bon, ça, c'est tombé chez vous ou pas alors, Odd? Vous êtes... Toujours pas, ça bouge pas. Equinox non plus, mais Equinox, tapez, qu'est-ce que vous faites là? Tapez. 3%? Ah, vous y êtes presque. Après, c'est le plus frustrant, hein, parce que sur la saison précédente où c'était dur à tomber, et des fois on restait très longtemps à 2-3%, hein, même si on tapait tous avec ce qui traînait dans notre box. Bon, là, ça va, c'était un peu plus équilibré, mais la saison passée. Combien de personnes jouent la reine mondiale cette saison? Parce que. Bizarre qu'on m'ait pas attaqué de la journée, là, mais. Bref. Tant mieux, ça va, ça fait plaisir d'être sur le podium. On en est où là? Ici. 2% GG, vous y êtes presque. Et après, surtout que. Non, j'allais dire une bêtise. Enfin, j'allais dire quelque chose qu'il faut pas que je dise, pardon. Mais force. J'allais un peu trop en dire. Bref, ça va bien se passer. Tapez. On garde pas beaucoup de secrets ici, mais sur les événements de ce genre, on va quand même garder quelques petites choses pour nous. Qu'est-ce qu'on fait là? Petit Zelos Nantes. Capella Nantes. Je pense que c'est mieux de prendre Nantes pour essayer le bonus couleur plutôt que prendre un truc random, mais... Il n'y a pas trop de personnages... récent encore là sur cette version, ce serait bien qu'il l'update un peu de temps en temps. Bon, il y a quand même pas mal de persos qui sont sortis, c'est dommage de pas avoir plus. Hein? J'avais pris Marine. Et mais non, ça a bugué. Ah mais non, mais ça a complètement bugué. J'avais pris Dante et je sais pas quoi. Ça a mis Marine et Dio. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette blague? C'est encore tout bugué ce mode, tu vas me dire, bon c'était déjà le cas avant. Mais... Maintenant, souci en arène mondiale, c'est que tu peux faire deux grosses teams. Oui, mais ça suffit pas de faire deux grosses teams. Pas quand on a 5, quoi. Non, en dev, si tu fais que deux grosses teams, c'est pas suffisant. Faut mieux, enfin, faut pas forcément équilibrer, mais si tu fais que deux grosses teams et que t'as trois teams faibles, bah, juste il t'attaque une fois, il te rattaque derrière en plaçant sur tes trois teams faibles. On a perdu là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Quand t'as que 3 teams à faire, ah oui, quand t'as que 3 teams à faire, oui, par contre, oui, mais bon, c'est juste le temps de monter les 3 teams après t'es à 5. Mais oui, par contre, si tu fais juste 2 teams fortes pour la monter, c'est suffisant, ouais. Sauf que si tu y prends assez tôt, à la limite, t'as même pas besoin de faire des teams fortes, juste tu te bats contre les figures mystérieuses et du coup tu ne poses même pas de questions parce que tu peux mettre... Enfin moi j'ai monté comme d'habitude en mode random et j'ai placé 5 teams vite fait une fois que j'étais en haut quoi. Qui sont pas du tout opti d'ailleurs. Je sais même pas exactement ce que je joue. 1%, allez Odd, dernier effort. Qui est presque. Continue à secouer les pompons pour encourager ta team. Ça va tomber. Ça va le faire. Go 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 taper. Quand même que je puisse afficher ta victoire
sur le live avant qu'on se quitte, donc. Pour ça, bon, normalement, ça va, quoi. Ça va vous prendre 3 heures. Enfin, sauf s'il y a plus personne qui a 2 stams, ce qui pourrait être l'arrivée et être dommageable. Mais là, je pense que s'il manque 1%, il y aura bien 2-3 personnes qui auront un peu de ressources, quoi. Oh, ça fait pulvériser, là. Je vois que je discute et je suis pas grand chose, mais là, j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai branlé, mais. Mais c'était bien naze. Ça fait casser la gueule. Ah, le retour de Sei. Skate Guild, ça. C'est encore un truc à la FA, Bankai et compagnie. Là. Enfin, je sais pas où ils en sont, quoi. Quoique Sei, c'est. Non, c'est inter-serveur, c'est. Je sais même plus comment c'est réparti, ce. Tiens, on va faire la combo. Qu'est-ce qu'on a d'autre à jouer? Isaga, Yo. Yo, c'est bien. Camus, c'est bien. Sorrento, c'est bien avec la compo qu'on a. Oh, dommage. C'était bien. Oh, pas mal. Niobe Afro, un de mes trucs que je préfère jouer. Yo Counter à CJC. Yo Counter à plein de choses. Hein. Yo sous-côté, hein, globalement. Et on va prendre un truc au pif. Ouais, super, Dio. Génial. Alors, il y a Yo dans Dio, mais Dio, c'est pas bien. Enfin, après, Dio dans ce mode, c'est pas le pire truc, quoi, mais. C'est un Dio. Ça va peser peu nous carré, hein. On va voir. Tac, tac. Je regarde ce qu'on nous dit en GVG. J'envoie une T2, après, je pourrais plus. Alors, tu vois, Dio, il nous a carré, il a gagné, tout seul. Enfin, tout seul, il y avait Mew à côté, mais enfin, Mew, il triche, il meurt jamais. GG Dio. Ouais, Dio MVP. Yo l'expert pour OS Sorrento. Ouais, les chaînes GC. Enfin, plein de trucs que t'as besoin de faire énormément de dégâts. Bon, t'as fini Odd ou toujours pas? Parce qu'on attend toujours de voir. Ah non, toujours pas. De voir quoi? Araya Shiki. Eh bien, on retourne dans le sanctuaire. Hop. On a pu faire briller Dio, ça fait plaisir. A noter que, comme j'avais dit hein, l'autre fois, ça date maintenant, mais on avait fait briller Dio avec les statues. Probablement le seul moyen de jouer en goldé. Figure mystérieuse. Oh, dommage, on avait pas mal d'adversaires. Bon, figure mystérieuse pour changer. Ah, il y a Redio, peut-être on va le prendre. On va prendre plein de choses avant d'aller prendre Dio, mais pourquoi pas. Je passe mon temps à MP là. Bah ouais, c'est ça, faut MP. Hein, c'est. Une fois que t'as fait ta contribution, après, il faut encourager toute personne à aller taper, surtout si vous êtes à 1%. Après, vous êtes tranquille, hein, vous pourrez plus réattaquer. Hein, donc, c'est le moment d'encourager les gens à tout donner. Alors, on prend quoi Ouais, là, c'est non, c'est pas très optique. On va prendre Dante, ce qui est déjà pas mal. Pour le bonus couleur. Parce que je vais plus être sympa avec Dio, mais quand même. On est très tanky avec un Thanatos, c'est pas mal comme type. Mais non, tu n'as pas pris le Saint Dio, et non j'ai pas pris le Saint Dio. Ah, ça faisait pas de bonus couleur, c'était un peu relou. Il aurait été feu, on l'aurait pris, mais là du coup ça marchait pas. J'avais quand même essayé d'assurer la victoire un peu. D'ailleurs on l'a fait briller juste avant, pour pas le faire briller non plus à toutes les étapes. Je sais pas comment je me débrouille pour être 68ème en n'ayant pas joué le... en n'ayant pas joué à moitié là, mais... Mais on prend. Et c'est bien, Odd il nous offre un fil rouge avec. Sympa là, avec la mouche, j'aurais tout entendu. Faut être sympa avec tout le monde. Ah oui, c'est vrai que tu fais pas partie des adorateurs de Dio, c'est vrai. C'est vrai que c'était parti de là. Enfin, je sais pas si c'était parti de là, mais ça faisait partie des trucs qu'il y avait. Oh, on peut enfin rejouer. Oh, on joue Pandore Soso. Tiens, hop, Pandore Soso. Et après, on prend Iki. Iki cancer. Ah ouais non il va. Du coup non. Du coup. Allez. Et vas-y on y va. On prend Dio. Et encore là, on peut pas s'en passer tout le temps. Et regardez, le meilleur Dio. Et ça c'est pas la classe. Dio Jamian. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Incroyable hein. Alors t'avances toi. Let's go.
La 68e, mais c'est le premier jour. La plupart font que 2 wins par jour. Ouais, moi je fais même pas 2 wins par jour d'habitude en ce moment, donc ça m'étonne pas. C'est juste qu'il y a, c'est juste pour mettre en évidence qu'il n'y a pas énormément de joueurs actifs. Je devrais pas être 68e. La mouche est le déchet du jeu. Dont la seule utilité est de servir de food et de donner des stats au père sauvant. Ouais, bah il y a la statue d'audio, hein, donc t'es obligé de l'avoir. Et regarde, il est encore debout. Hein. Il a carry. Hein. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce duo. Bon, il a pas fait autant de dégâts que Pandore, mais il était là. Hein. Mais vous êtes obligé d'avoir duo, hein. Si vous avez pas duo, vous pourrez pas finir les statues, hein, donc de toute façon vous avez pas le choix. Hein. Et au début du jeu, si vous avez que ça pour faire le labyrinthe vent, bah c'est toujours ça de prix, parce qu'il est facile à obtenir, quoi. Sauf qu'il le faut à 30 en plus. Oui, bah oui. Il faut à 30, 11 étoiles minimum, machin, etc. Enfin, il faut la totale, quoi. Vampire catégorie. C'était le cas au début. Bon, maintenant, on a énormément de trucs en vent, du genre yoga, du genre Mew, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais au début du jeu, c'était le labyrinthe le plus compliqué, c'est pour ça que vous étiez un peu obligé de jouer duo, parce que bah, y avait rien, quoi. Mais bon, après, une fois que les personnages vents sont arrivés, par contre, c'était très fort et c'est beaucoup plus simple. C'est 13? Ouais, 13, pas 11 d'ailleurs, et 13, t'as raison. 13. C'est vrai, c'est vrai. 11 pour l'ouvrir, mais 13 pour la maxer, t'as raison. Comparé au feu et eau, ouais. Comparé au feu, au eau, il y avait quand même pas mal d'options. Terre, c'est pas très simple, parce que terre, il n'y avait jamais eu beaucoup de choix, mais les personnages étaient quand même meilleurs que les personnages vents quand il n'y avait pas le choix. Avec des Shen V, des trucs comme ça, quoi. Ils sont sortis très tôt. D'ailleurs, je sais pas lequel j'ai mis le plus de temps à terminer. On peut pas voir, je crois. Hein. Je crois qu'on peut voir que... Voilà, j'ai terminé le 29 octobre le terme, mais je crois que je peux pas voir les dates des autres. Ça fait une éternité, quoi. Le 5 août, j'ai terminé l'obscurité. Ça commence à faire vraiment très longtemps. Bon, alors, Hutt, t'en es où, là? Ça tape toujours pas chez toi, là? Faut leur demander de faire un effort. Hein. Ils sont toujours pas là. Hein. Si tu peux, mais que le dimanche... Ouais, ça, je peux pas voir, du coup. J'ai toujours pas fini Mordor. Ouais, moi j'ai fini le 5 août, autant te dire que depuis, bah, j'attends qu'il y ait du contenu. De la même façon que je vous rappelle ça, voilà. Ça commence à me casser les bonbons. Là, on va pas se cacher que je commence à trouver le temps très 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 long. C'est le 4 août, hein. C'est pas le 8 avril, hein. J'ai fini le 4 août. J'ai fini l'AD le 4 août. Donnez-nous l'AD, s'il vous plaît. C'est le 4 août, ça fait long. Depuis le 4 août, je peux même plus faire mes quotidiennes. Je suis obligé de monter des bijoux pour faire mes quotidiennes, tellement j'ai plus assez de quêtes à faire entre la story et la D qui est terminée. Whale, be like. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais bon, on whale, on a le droit. Je veux dire, le jeu est fait pour que tu puisses whale. Hein. S'il y a un cash-up, c'est pas pour rien. Perso, j'ai fini il y a pas très longtemps mon Labi Dark. Ouais, bah en même temps, c'était pas la peine de vous presser, hein, vu que de... Parce que bon, moi, j'ai fini le 5 août, mais ça me fait une belle jambe, quoi. Le 5 août, j'ai rien à faire, donc autant le laisser ouvert. Hein. Bref, ça va bien arriver au bout d'un moment, je sais pas quand, mais... Après, en Dark and Light, je sais pas s'il y a énormément de niveaux en plus sur la scène. Par contre, il y en a surtout le reste. Il y en a surtout au moins 300 niveaux en AD. Enfin, je sais pas, lâchez-nous-en au moins 100. Enfin, je sais rien, moi, si vous voulez pas mettre tout d'un coup, mettez-en 100. Qu'on ait au moins un truc à faire. En plus, je comprends pas, parce qu'à la limite, ils feraient un peu ça de temps en temps, une fois par mois. Enfin, ça ferait de la pub pour leur jeu, parce qu'au moins, il y aurait du contenu. Mais bon... Alors, pendant ce temps-là, on va continuer les compétences. C'est bien au moins que je live du loge, parce que c'est la première fois depuis très longtemps que je suis motivé à faire ce mode-là. Et alors que pourtant, ça rapporte des trucs intéressants, hein, donc il faudrait que je fasse... Oh, popo. Oh, popo. Oh, 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 oh. Y a pas de duo? Ah, y a duo. On peut rejouer du duo... duo Jamian, si on veut. On va prendre ça, on va prendre ça. Allez. S'il prend pas Dio et Jamian, ce qui est sûr, hein, en prenant les deux. Quand tu penses à ta commu, c'est avoir un cerveau. Oui. Et pour l'instant, il nous montre pas grand chose au niveau de cérébral depuis un certain temps. C'est un céphalogramme plat, pour le coup, pour le jeu, c'est vrai. Et pour les devs, du coup. Ce qui est un peu dommage, parce qu'on dialogue avec eux, etc. et tout, on leur donne tout. Hein, et pourtant, R. Et c'est bien dommage parce que c'est... Enfin, le jeu est bon. Juste la com et... Il n'y aurait pas grand chose à améliorer pour que ça soit banger. Ah, Joe qui n'a pas résisté, qui est décédé, mais Joe qui gagne encore malgré tout. Bon là, il a pas trop existé, mais... Les devs de loge et avoir un cerveau, c'est deux choses incompatibles. Oui, pour l'instant, ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas montré des gros trucs, surtout...
Surtout la partie dev, marketing, même la partie communication. Enfin, surtout la partie communication. Hein. Quand on dit, ouais, quand est-ce qu'on aura les chapitres et qu'on te met juste un pouce, fait qu'est-ce que, pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quand on te dit, il faut changer l'heure des reliques pendant 3 saisons, et que finalement ils le font en plein milieu d'une saison, tu fais, ouais, vous avez vachement bossé, quoi. C'est, le cerveau, c'est pas ça, quoi. Il faut connecter les neurones au bout d'un moment, faire quelque chose. Bon, ça n'a pas eu trop de conséquences, mais ça aurait pu en avoir sur cette saison. Heureusement, ils l'ont signalé un petit peu en amont, contrairement à d'habitude, et heureusement, parce que sinon ça aurait été compliqué. Alors, on aurait eu encore une saison biaisée. Stagiaire, ça marche. Ouais, le stagiaire, putain, le stagiaire, il y a du boulot à faire aussi. Mais bon, après, c'est pas des stagiaires, hein, c'est vraiment des devs et tout, et ils font n'importe quoi. Je refais encore le duo de Jamian, alors ça s'amuse bien ce soir. Parce qu'on parle de stagiaires, mais non, hein, c'est des devs professionnels qui font de la merde, hein, c'est tout. Faut dire ce qui est, faut arrêter de dire le stagiaire, hein, le stagiaire, c'était rigolo en se disant, ouais, ils ont dû mettre un stagiaire pendant les vacances, mais non, c'est ça tout le temps. C'est un peu relou. C'est ça le plus grave, ouais, c'est le plus grave, c'est que c'est pas un stagiaire, hein, c'est bien ça. C'est des pros et tu te demandes comment ils font. En plus, c'est des pros qui ont juste à remake une version en multilingue, quoi. Enfin, je veux dire, le jeu, il est développé, hein, déjà depuis des mois en amont. Enfin, c'est fou. Il y a à faire autant de conneries. Bon, par contre, faudrait tuer Doko au bout d'un moment, quoi. Alors, Dio qui a toujours pas survécu, par contre. Mais... On arrive à gagner en 4v5 avec Dio, donc c'est la classe. C'est de la trad. Ouais, surtout que la qualité de la trad est en plus catastrophique, même ça. Même ça, ils le ratent de ouf. Alors qu'ils prennent les Google Trad et la même traduction que Ketchup. Bon, qui du coup est naze, mais. Mais du coup, même ça, ils font pas l'effort, quoi. Et à noter qu'aujourd'hui, ils ont encore fait une dinguerie. Hein. Ils ont distribué un code et ils l'ont partagé sur Discord et il est pas actif dans le jeu. Alors qu'on est déjà arrivé à trouver des codes qui n'étaient pas encore publiés. Et là, ils nous donnent un code, il est pas valide. Attends, je vais lire le commentaire juste chez Exo, mon personnage. Bon, j'ai pris le compte d'un gars qui a la stam pour finir Tana. Ah bah, GG Odd, bon courage pour terminer. Go, go, go. Malheureusement, je dois vous laisser, je dois manger. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, Devo. De toute façon, on va pas rester non plus 300 ans, hein, sur le jeu, parce que, comme je dis, il n'y a pas forcément trop de nouveautés. Je pense qu'on va terminer tranquillement les défis compétences et je vous laisserai là. J'irai moi-même d'ailleurs dîner également. Ah, attendez, on continue avec Dio, on enchaîne. Tant qu'on a Dio, on le prend. Fini, GG Odd, on va aller voir le classement pour confirmer ça, c'est notre fil rouge quand même. GG Odd. Ah, t'as dû mettre du tien, hein, franchement. T'as dû aller toi-même à l'abattoir pour terminer, c'est terrible. Mais GG. Vous avez repris 4 places, quoi, globalement, en plus. C'est cool. Oui, il était peut-être un peu optimiste de continuer de prendre Dio ici. Ouais, il y aura... Oh, putain, c'était... Oh, c'est des... Oh là là, on les a mis à 3 PV. Oh, pff, dommage. On aurait pas pris Dio, on aurait gagné. Dommage. On a fait confiance à Dio, c'est terrible. Bah, j'ai passé 2 heures sur 2 comptes en même temps pour les tomber. Ouais, bah ouais, belle performance. Parce que la première fois qu'on a dû le tomber, nous, comme ça, et qu'il fallait passer des heures et des heures, déjà, un compte, c'était relou. Alors, j'ose pas imaginer si j'avais dû passer sur 2 comptes. Et GG à vous, vous prenez la 18ème place à Equinox qui, j'espère, est en train de taper Equinox, s'il vous plaît, terminer, faut valider. GG Ariashiki, 18. Et GG Odd, d'avoir pris part au combat de manière multiple. Combien il nous reste de combats là? 2? Eh ben ouais. On se fait 2 petits combats, ça fera 2 heures de live, ça sera très bien pour une petite reprise sur loge. On essaiera de caler un petit créneau comme ça une fois par semaine, comme j'avais promis. Parce que c'est quand même bien, bien plaisant. Même si je sais pas ce que. Enfin, si tu veux bien avoir la GSI, si on fait le. Si on fait la revue d'Odd. Ça fera au moins les 2 prochaines semaines. Donc non, on est ouais. On aura au moins les rendez-vous les 2 prochaines semaines. Petit rendez-vous GSI, petit rendez-vous avec la revue de box. Si on arrive à se caler, ça sera pas mal. Alors on va prendre ça, on va prendre ça. Et on va terminer avec Shura. Kassa, peut-être Kassa pour se rendre un peu plus tanky. Ça. Je peux peut-être le prendre, hein, mais. Ça. Essayez ça. Oh, DM, ça va être relou. Ah, il y a une team un peu relou. Le placement de GK, ça peut être embêtant.
On essaie de se soustraire un petit peu au placement de GK un maximum en faisant comme ça. S'il le place sur Afro, c'est ok parce qu'on prendra pas des poisons. Mais avec les boucliers et tout, ça risque d'être un peu relou. Faudrait tomber vite, chion. Kaza s'il peut tenir. Ah, oh, Kaza pas tenu, ça va être relou. C'est bon, ça passe quand même. Avec les dégâts d'Afro post-mortem, c'est suffisant. Et un dernier petit combat. Et ça fera une petite session de 2 heures de loge, ça sera très bien déjà. Ça aurait pu s'occuper 2 heures avec ce qu'il y avait à grignoter, le petit fil rouge, le petit passage un petit peu invocation sur le reroll, c'était très bien. Parce que oui, hein, le jeu reste bon même si il est pas gâté par les devs. Waouh, waouh, oh là là, oh ya. Bah j'en prends un, il prend les deux autres, hein. Donc de toute façon on est BZH. Bah, tu vas réfléchir là, Athena Saga. Ça va être compliqué. Hein. Il a pas sélectionné? Ah si. On est obligé de prendre ça. Et après, il va prendre Zelos et Aiolos probablement. Je sais pas ce qu'on va prendre du coup derrière. Ah, il me laisse Aiolos. Ça me laisse une porte de sortie. Je pense qu'on va prendre un truc en random. J'allais dire si on tombe sur duo, je me coupe les couilles. Par contre, mais ça va. Tout va bien. Alors attends, parce qu'il va falloir calculer les positions là. Hop. La sagalette, ça va être trop lourd. Ce qui va temporiser avec Athéna. Athéna, Krishna, Zelos, c'est très très tanky. Ça peut laisser de la place à son Sagalite. Si on peut l'emporter avec un bon petit éclair, ça serait cool, mais ça va pas être simple. Parce qu'il va se barrer puis revenir. Allez, Aiolos, faut que tu te lances. Oh, non, ça tankera pas. Bah, GG, c'était dur. GG. On n'a pas réussi à prendre Sagalite et enchaîner avec Aiolos, c'était perdu. Petite défaite pour terminer 45ème, oh, ça va. Ça va, ça va, on a fait quelques victoires quand même, on est au rendez-vous. Trop de crit sur AGC. Ouais, c'est un peu difficile dans ce mode de gérer AGC, parce que vu que les stats sont quand même améliorées, du coup la ténacité proc, elle, pour le coup. Et c'est un des rares modes hors PVP où c'est favorable à AGC, je pense. Bon, maintenant AGC c'est plus valide en PVP à cause de Shun GC, donc c'est plus vraiment une question nulle part. Mais il reste encore ce mode où ça peut avoir de l'impact. Attendez, on va aller voir si on a 2-3 trucs à invoquer avant de se quitter quand même. Je sais pas où on a récupéré ça. On les a pas fait tout à l'heure tout simplement. Parce qu'on en avait récupéré sur l'autre compte, pas sûr. Ah non, on les avait juste pas invoqués. Parce que là je vais garder quand il y aura Aiolia. Même si là c'est improbable. On se fait 2 multi avant de se quitter. Allez, vas-y. En moins de petites multi. Agueti. Into. Oh mince, Into plus de place. Petite multi avant de se séparer. Et après, on ira dîner. Allez, petite multi. Si, j'aurais peut-être voir juste ouais, le score final. Bon, on va se faire trop tard. Allez, petite multi, on se sépare. Un petit Babel. On aura eu deux 5 étoiles. On a terminé à 60 points là. Ah, il en manque un. Il nous reste du monde. Damonis, Lindir. Et les T2. Et Marcel. Oh, ça va. Il y en a bien un qui va arriver à faire tomber ce petit point sur qui d'ailleurs? Sur Biff. Ils ont pris 15 points quand même, hein. C'est solide, Esgate. Hein. Jatik, Elsie, Alex, Lunatic, Damonis. Kalsi. Ils ont beaucoup insisté sur Kalsi. Alors, bas de tableau a rien pris, c'est cool. Je réfléchis, mais je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. C'est sympa, cette petite session en loge. On essaiera, comme je disais, d'en caler au moins une fois par semaine. Ça peut pas être un rendez-vous trop régulier, parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de contenu. Puis on sait jamais si, par contre, on a des grosses mises à jour du genre l'AD, du genre la story. On fera peut-être un peu plus de sessions, des sessions un peu plus longues. En tout cas, pour l'instant, pour ce soir, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit. Je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Le prochain live, je pense que ce sera demain soir avec un peu de Black Clover ou peut-être du Palworld que je vais essayer de reprendre là, après une pause due à la maladie, mais j'aimerais bien avancer dessus. Donc peut-être qu'on reprendra aussi Palworld suivant
le contenu, parce que BCM n'est pas trop fourni actuellement en contenu à part les invocations, donc c'est vrai que c'est un peu léger. Et samedi et dimanche matin, par contre, on fera un créneau habituel quotidienne sur Black Clover, et on verra éventuellement si on peut faire des cotis sur d'autres jeux, si on enchaîne avec quelque chose. Je sais pas encore trop le programme de ce week-end, mais peut-être BCM into Palworld ou bon, après j'ai commencé de mon côté Persona 3, mais à live je trouve que c'est pas forcément très intéressant. Mais je ferai du Persona 3, donc mais ce sera mon avis plutôt hors live. Et après on verra un peu avec quoi on va se caler, mais pour l'instant je pense qu'on va partir sur peut-être du Palworld demain soir et du Black Clover samedi dimanche matin. Et sur YouTube, prochaine rediff dès que je l'ai posté. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bye bye. À la prochaine.